Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices. Bienvenue en ce 23 août 2023 sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, le lieu par excellence où nous célébrons le festin intellectuel qui consiste simplement à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Et pour y arriver, nous utilisons simplement le poids des arguments pour essayer de nous convaincre. Nous disons merci à tous ceux qui donnent de leur temps, qui donnent de leur capacité dans tous les sens à apporter un mieux-être aux citoyens africains et à surtout combattre l'obscurantisme. Aujourd'hui, les sujets seront brefs, mais très condensés, afin de permettre aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer. Et dans un maximum de 2 heures, voire 2 heures et demie, on va mettre fin à ce direct. Et comme vous le savez, il n'y aura pas de sujet à proprement à présenter comme les autres jours. Aujourd'hui, nous allons décoder brièvement les propos de Laurent Gbagbo parce qu'il y a tellement de choses à dire que c'est en fonction des questions que les gens vont poser qu'on va essayer de détailler un peu de quoi il est question. Mais déjà, pour essayer de faire quelque peu de ce que nous pouvons, Laurent Gbagbo, être président n'est plus une obsession. Laurent Gbagbo s'est néanmoins dit disponible pour la présidentielle de 2025. C'était lors d'une conférence de presse organisée hier mardi, lors de laquelle il s'est également prononcé contre l'intervention de la CEDEAO au Niger. Au cours d'une conférence de presse de près de 3 heures du temps organisée à Abidjan ce 22 août 2023, Laurent Gbagbo a affirmé que redevenir président n'était plus une obsession, tout en laissant la porte ouverte à une candidature à la prochaine élection présidentielle en 2025. J'ai voulu être président, je l'ai été, mais ce n'est plus une obsession, a-t-il déclaré. Si mes camarades estiment qu'il n'y a pas mieux que moi pour les échéances à venir, alors on se mettra en route pour travailler, a-t-il ajouté. Pour l'heure, Laurent Gbagbo est radié de la liste électorale et ne pourra donc pas voter aux élections locales du 2 septembre 2023. Et donc, on va s'arrêter là. Il a, s'il vous plaît, de nouveau dénoncé une injustice, répétant qu'il n'était pas un voleur ni un braqueur. Il assure qu'il combattra cette décision après le scrutin du 2 septembre 2023. Également interrogé sur la situation au Niger, Laurent Gbagbo s'est prononcé contre une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO pour y rétablir l'ordre constitutionnel. Je souhaite que Bazoum soit libéré, mais je ne souhaite pas que la guerre ait lieu. Ce serait la guerre la plus idiote, a-t-il dit, appelant la CEDEAO à combattre plutôt les terroristes qui sévissent au Sahel. Et donc, en substance, on aurait pu se baser sur ce discours. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Mais déjà, prenons le premier chapitre où Laurent Gbagbo nous dit que ce n'est plus une obsession pour lui d'être président,
Laurent Gbagbo donne l'impression d'un homme qui a déjà tout eu, parce que comme il le dit, il a été lui-même président pendant 10 ans, mais 10 ans de nullité absolue et 10 ans d'une médiocrité légendaire. On retiendra de lui qu'il a été l'homme le plus médiocre, le plus nul des présidents de l'Afrique. Mais pour lui, il aura été président. Un monsieur devenu président par pure erreur de la nature. Et donc l'individu, comme dans ses habitudes, veut nous habituer à prendre attache avec l'école du mensonge que lui-même sa personne représente. Et donc, chers parents, voici ce que l'individu fait. À son âge, il vient, il nous dit, voilà, moi j'ai déjà tout eu. Même si je suis plus président, là, ce n'est pas grave. De toute façon, là, c'est plus moi-même qui veux. Ce sont mes camarades, là. S'ils estiment qu'il n'y a pas mieux que moi, mais Laurent Gbagbo, ça c'est une arrogance inutile. Il y a toujours eu mieux que toi. Et des mieux que toi, ça existe beaucoup en Côte d'Ivoire. Tu es l'épitome de la médiocrité. Et donc, c'est une insulte même à l'intelligence même de ceux qui constituent le PPACIFPI. Donc, à part toi, il n'y a pas d'homme intelligent là-bas. À part toi, il n'y a pas quelqu'un qui soit suffisamment apte à diriger. Tu viens de leur dire que c'est une bande, un ramassis, un agrégat d'individus sans compétences intellectuelles, encore moins humaines, pour pouvoir diriger une société humaine. Mais si c'est toi qui es le plus fort des gores, comme tu le dis, parce qu'il le dit, s'il n'y a pas mieux que moi, alors mes camarades me reconduiront pour les élections à venir. Mais quand vous prenez bien cette posture, il y a de l'hypocrisie et de la tromperie là-dedans. Voilà, j'ai dit, je ne veux pas quelque chose, mais en même temps, j'ai dit, si on me donne la chose, là, je vais prendre. C'est Laurent Gbagbo qui parle. Mais en réalité, il ne faut pas se tromper. Les hommes politiques qui utilisent la violence et la tromperie comme leur arme politique. Parce que demander à Laurent Gbagbo, les socialistes disent qu'il n'est pas un socialiste. Eux, ils disent que c'est un homme infréquentable. Il n'y a aucune obédience politique qui lui reconnaît une qualité politique. Mais lui, il dit qu'il est politicien. Quand on lui demande là, ta politique là, c'est basé sur quel programme de société? Il ne connaît pas le nom. Il dit, votez-moi après, je vais vous dire. Vous savez, je suis un commerçant. Payez mon produit. Après, je vais vous expliquer si c'est bon, mais si c'est pas bon. Mais une fois que vous me votez là, je vous prends et puis je vais vous montrer qui je suis. Et donc, c'est à cet amateur, je dirais même à ce saisonnier, à cet aventurier d'un autre genre de la politique, c'est lui qui est devenu le Christ d'une certaine loge. Je dirais même d'une certaine, je vais appeler ça même d'une secte brutale qui se fait appeler aujourd'hui PPACI, mais constituée de criminels, d'individus incohérents et de personnes sans qualité. Des personnes, comme on les appellerait, des personnes hors service. Et donc, Laurent Gbagbo dit, parmi ces personnes hors service-là, lui, en tout cas, lui ne veut plus être président. Mais si c'est l'ensemble des hors service disent que c'est lui qui est mieux parmi tous les hors service-là, que lui va encore devenir président. Ça veut dire simplement que l'homme est en train de jouer avec l'esprit des gens. En réalité, Laurent Gbagbo, en 2021, quand il était dans son avion, qu'il venait, on lui a demandé. Est-ce que tu vas te reposer de la. Tu vas quitter la scène politique? Laurent Gbagbo a dit, je ne quitterai pour rien au monde la scène politique. Ça, il faut retenir cela. Et moins de 2 ans après, l'individu vient nous dire que je ne me bats plus parce que j'ai déjà tout eu. Mais si les autres estiment que je dois encore être là, je vais le faire pour eux. Laurent Gbagbo, tu n'as jamais rendu service à quelqu'un. Surtout que toi-même, tu reconnais que vous êtes une bande d'individus incompétents. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de vous. Vous avez déjà fait vos preuves dans la nullité. La Côte d'Ivoire en a plus que marre de vous. C'est ce qu'on retiendra. Mais surtout, retenez ce côté-là. Pourquoi il le fait? C'est un jeu psychologique. Pour dire, voyez-vous, bon, Bédié est mort. Il y a la scène politique du côté du PDCI qui est vide. Bon, moi-même, Laurent Gbagbo, j'ai été radié parce que je suis un braqueur, un grand voleur de la République, un illégaliste, un brigand qui aujourd'hui a sur sa tête une décision de justice. Condamné régulièrement à plus de 20 ans de prison et à une amende très forte. Il dit, comme si lui, il avait la possibilité de changer son destin. Laurent Gbagbo nous parle comme si lui, il est devenu un homme gentil. Il n'est pas devenu gentil. C'est parce que tu as trouvé plus dur en face de toi qui t'a réduit à ta simple expression de prisonnier, d'homme, des citoyens incapables de voter et donc des citoyens de bas étage. Et donc, il veut nous donner l'impression que c'est lui qui lâche prise. Non, non, non. C'est parce que Alassane Ouattara t'a arraché tes griffes et tes crocs. Tu es devenu aujourd'hui
Je dirais un félin sans griffes et sans crocs. Et tu veux donner l'impression de jouer, que tu es un homme intéressant. Mais si tu es garçon là, il faut devenir candidat. Parce que ceux qui t'ont éliminé, tu as dit que ce sont ceux d'en face. Mais tu reconnais qu'ils sont garçons maintenant. Parce que si t'ont éliminé là, c'est qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes. Et toi, le tueur de lion, ou bien celui qui s'assoit sur le lion mort là. En tout cas, eux t'ont montré que toi et puis ton lion là, eux font sauce claire avec ça et puis ils mangent ça en face de toi. Ça, au moins, on retient cela. Mais comme je le disais, l'objectif caché de ce discours-là, c'est qu'il donne l'impression d'un homme, bon, Bédier est mort, bon, moi-même, je n'ai plus envie de tout ça là, donc je laisse tomber. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est une manière de suggérer au président Ouattara, mais puisque nous, on a laissé, pourquoi toi, tu ne laisses pas? Laurent Gbagbo pense que le président Ouattara va venir dire, ah, comme c'est comme ça là, bon, Laurent Gbagbo dit que lui n'est plus intéressé, au sauf si on le force, et puis bon, moi-même aussi, je suis fatigué là, et puis Bédier n'est plus là, donc on n'a qu'à tourner la page, et puis maintenant, quand Ouattara va dire ça là, ils vont se baser sur ça maintenant pour dire que Ouattara dit qu'il ne va pas faire troisième mandat, mais cinquième mandat, mais millième mandat, donc il ne doit pas se présenter. Donc maintenant, vroom, Laurent Gbagbo se présente. Là maintenant, il pense que son piège va passer. Donc nous, les gens du RDR-RHDP, écoutez-moi très bien, nous les gens du RDR, je préfère dire les choses ici, nous les gens du RDR, là, ne nous laissons pas berner. L'homme est dans sa fabrication de pain à travers sa boulangerie populaire de la Côte d'Ivoire, qui est le PPACI. Tu peux mentir à tes militants, mais nous autres ne pouvons pas nous tromper. Voilà un homme qui est inconséquent, qui dit que je ne laisserai pour personne la politique jusqu'à la fin de ma vie. Moins de 2 ans, tu viens nous dire encore que toi, tu es fatigué de la politique, mais si on t'y invite, tu viendras là-dedans. Ça veut dire que tu ne vas pas laisser. Donc là, le piège qui est dans ton discours là, le voilà exposé. Et donc, c'est pour mettre mal à l'aise Alassane Ouattara, pour que ce dernier puisse faire une déclaration dans le sens de dire, bon, je me retire de la vie politique. Alassane ne se retirera pas aujourd'hui, il ne se retirera pas en 2025, il ne se retirera pas en 2025, 30, encore moins en 2035 ou 40. Tant que la volonté et il a la confiance des investisseurs internationaux et il a la confiance des Ivoiriens, Alassane Ouattara fera autant de mandats qu'il le souhaite. Cela, que ça vous plaise ou pas, on s'en fout de vos avis. Nous, personnellement, l'avis d'un prisonnier comme Laurent Gbagbo ne nous intéresse absolument pas. Si vous êtes véritablement des garçons, les mêmes garçons d'en face qui ont cueilli votre fruit pourri pour l'amener en prison et après ils l'ont traîné comme un déchet pour l'amener en Côte d'Ivoire et on l'a sanctionné correctement pour braquage de la BCAO là. Si vous êtes garçon là, allez faire votre rébellion et puis venez l'enlever, attachez-le et puis envoyez-le à la haie et puis maintenant Gbagbo va prendre pouvoir. Mais entre-temps, sachez que les partisans de Ouattara que nous sommes, on ne va pas s'asseoir pour vous regarder. Ça, au moins, il faut qu'on vous dise ça. Et donc, dès maintenant, il faudrait que les militants du RDR que nous sommes là, on se mette en tête que ça, c'est un discours flat to voxis qui n'a aucun sens. C'est comme s'il a lancé de la poudre de poussière dans l'air. Nous, le chien aboie, la caravane passe. C'est comme ça qu'on a vu ce discours-là. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Laurent Gbagbo, tu es un homme caduque, un homme hors service, un homme complètement dépassé par les événements, mais qui veut désespérément exister. Tu peux être le meilleur parmi ces rabougris d'individus qui constituent le PPACI, mais tu es le plus nul des Ivoiriens et ça a été une erreur catastrophique que tu as été à la tête de la Côte d'Ivoire. Peut-être que les gens te blaguent, ils ne veulent pas te dire ça, mais nous autres, on va te dire ça. Et tu es un criminel aujourd'hui, tu demeures un criminel patenté et l'histoire retiendra que tu as été le plus nul des présidents de toute ta génération. C'est de cela qu'il est question. Xénophobe, extrémiste, nazi tropical que tu es, tu ne seras rien que l'ombre de ta piètre personne que tu es. C'est de cela qu'il est question. Et donc, l'individu qui ne maîtrise absolument rien vient nous dire ici encore que ce serait la guerre la plus idiote que la CEDEAO. Et donc, la guerre en Sierra Leone était-elle idiote? La guerre au Libéria était-elle idiote? Non. C'est insulter l'intelligence de ceux qui constituent aujourd'hui la CEDEAO. Mais Laurent Gbagbo, si tu étais si intelligent là, l'ancien président du Nigeria là, les putschistes du Mali là l'ont pris comme la personne qui va les aider auprès de la CEDEAO. Les gens qui valent quelque chose là, on les prend et on leur dit dans les affaires internationales, là, on leur dit venez nous aider. Mais toi qui dis que ce serait la guerre la plus bête, ça veut dire la plus idiote comme tu l'as dit, ça veut dire que ceux qui ont pris la décision seront les hommes les plus idiots. C'est ce que tu es en train de dire. Mais je suis étonné. Toi, l'homme le plus intelligent. Est-ce qu'à l'époque où tu dirigeais, il n'y avait pas de crise? Bon, laissons ça. Tu es encore vivant. Mais regarde autour de nous.
tous les dirigeants qui ont de la capacité intellectuelle et qui ont de la respectabilité, qui ne sont pas aussi infréquentables que toi là, quand il y a des conflits dans les pays là, on les approche et on dit, tu es un homme sage, viens, on va te prendre et puis tu vas parler pour pouvoir arranger cette situation là. Mais en réalité, l'homme veut toujours dire le contraire de ce que les autres font pour qu'on sache qu'il est là. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on n'est pas des bavards et nous ne sommes pas des désordonnés comme vous. En réalité, pour toi aujourd'hui, ce désordre-là, ça vous plaît. Et vous souhaiteriez voir les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens que tu tuais par milliers sur les 10 ans que tu as eu à faire. Si ces derniers ont aimé ça, nous leur souhaitons que la prochaine fois soit 10 000 fois pire pour qu'ils aiment, ils expérimentent encore cette situation. Mais pour nous autres, la CEDEAO est constituée de personnes qui savent ce qu'elles font et elles n'ont pas dit que la guerre était leur premier choix. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Et ce n'est pas à toi de rappeler qu'il y a le terrorisme à combattre. Entre-temps, vous-même, vous encouragez les terroristes. Vous voyez comment vous êtes incohérent et c'est la chose la plus honteuse. On aurait pu spéculer. Et tu as dit aussi que Ouattara a été au pouvoir à cause, à travers un coup d'État constitutionnel. Mais Laurent Gbagbo, ce que je vais te dire, c'est qu'il est très bon d'aller à l'école. Ce qu'on appelle un coup d'État, c'est un mouvement militaire pour enlever un président légalement élu dans les règles de l'art au pouvoir. Coup d'État constitutionnel n'a aucun sens dans le français correct. Soit c'est un coup d'État, ou soit c'est un changement de constitution. Et quand on fait un changement de constitution, ça veut dire qu'on peut procéder par référendum, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire, où ce sont les Ivoiriens qui se prononcent. Les Ivoiriens avaient le choix de dire « Nous ne sommes pas d'accord pour renouveler notre constitution. » Mais à partir du moment où, en 2016, si je ne m'abuse, ils ont accepté de renouveler leur constitution, on ne parle pas de coup d'État constitutionnel. Et le plus intéressant dans l'affaire, c'est que les Ivoiriens, aujourd'hui, les Ivoiriens conscients disent « Si on avait su plus tôt, on aurait plutôt fait avec Ouattara pour atteindre des véritables objectifs qui auraient aidé la Côte d'Ivoire. » C'est ça qu'on retient d'un homme qui est un homme efficace politiquement parlant. On ne parle pas de ceux qui viennent parler pour parler, mais on parle de ces hommes-là qui peuvent apporter quelque chose. Et Laurent Gbagbo, comme peut-être tu serais ou tu ne serais pas intéressé pour 2025, fais-nous d'abord le bilan de ta gestion. Je crois qu'elle est tellement brillante que les gens se souviendront de qui tu étais. Ça, c'est très important. On va donc s'arrêter là. Au fur et à mesure que les gens vont poser les questions, on va détailler le reste en fonction des zones d'intérêt des uns et des autres. Le deuxième sujet concerne un individu. Un individu qui se fait appeler sur la toile Isaac Nyesanyeba. Ce monsieur s'est habitué depuis un certain temps à nous démontrer que l'éducation de base, l'éducation basique, l'éducation morale de base n'est pas vraiment son point fort. Parce que quand vous avez été élevé par des parents, dans les règles de l'art, on vous enseigne ce que c'est que la dignité humaine. Et la dignité humaine recommande qu'un homme, en vrai, ne dise pas et ne revienne se dédire. C'est très important. Mais au-delà même de ces facteurs qui sont légion, l'homme s'est habitué à une stratégie de communication où pour lui, il est tellement important que lui, il devrait être le maître à penser dans le RHDP. Et que ce que lui dit, parce que lui, Nyeba n'est pas d'accord avec la guerre, donc tous ceux qui sont d'accord avec la position de la CEDEAO sont des idiots, sont des criminels, sont les individus les plus abjects sur la terre. Voilà sa position. Et donc, à partir du 11 août 2023, Nyeba va faire une série de productions vidéo à partir de Meta, ce que vous connaissez en tant que Facebook, et vous me permettrez ici, je vais mettre les liens et je vais vous jouer quelques audios que vous allez écouter. Parce que parler est une chose facile, mais si on met les liens, l'histoire retiendra ce qu'on a fait. Et donc, vous verrez, je vais mettre les liens. Ok. Je viens de mettre le premier lien. Et déjà, dans ce premier lien-là, vous allez écouter quelques extraits et ainsi de suite, on va donc continuer. Et donc, on écoute le premier, quelques extraits. J'ai mis l'entièreté que vous pouvez suivre. C'est au président Alassane Ouattara que je veux parler. J'ai suivi son discours
sur trois ou deux ou trois discours, il a parlé de l'intervention militaire au Niger. Je voudrais dire à mon papa, vous savez que je le soutiens, que je suis systématiquement opposé à cette intervention militaire. Il est président de la République, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il a les moyens financiers, il a certains privilèges et il y a des gens qui ont la capacité d'être en contact avec lui, de lui parler. Mais ces gens-là, quand ton père dépend systématiquement de quelqu'un, souvent tu te retrouves dans une situation où tu ne peux plus le guider et cela a pour conséquence de perdre les leaders, de perdre les chefs. Nieba ici nous dit que Alassane Ouattara est entouré d'individus qui, parce que seraient des conseillers d'Alassane Ouattara, et pour le fait qu'ils gagnent leur pain, sont devenus des gens défaillants autour du président Ouattara, et que ça, c'est ce qui nous amène à perdre les leaders. Ça veut dire les conseillers du président Ouattara aujourd'hui, là, à cause du fait qu'ils doivent protéger leur pain, là. Ils sont plus capables de conseiller correctement le président Ouattara. Retenez bien, parce que vous allez voir la supercherie de ce esbroufeur. On continue. Je dis à notre vénéré papa que depuis 2011, qu'il est au pouvoir d'État en Côte d'Ivoire, la plus mauvaise décision qu'il vient de prendre depuis 2011, c'est cette intervention qu'il récite à longueur de journée contre le Niger. Ok. Donc, vous aurez entendu, la pire, sinon on ne dit pas plus mauvais, on dit la pire décision, parce que pour un docteur plus 10, il faut connaître quand même les règles basiques de la langue française. On ne dit pas plus mauvais, on dit simplement pire. Mais laissons ça, c'est un peu compliqué pour le doctorat ou le docteur que tu as. Il fait de la réduction. Alassane Ouattara a été conseillé par des conseillers défaillants et Alassane Ouattara, à longueur de journée, ne récite que la guerre contre le Niger. Est-ce qu'Alassane Ouattara s'est levé un matin pour dire je m'en vais attaquer le Niger? Nieba, par malhonnêteté ou bien même par incapacité intellectuelle, dénature la réalité pour la simplifier, pour mettre Alassane Ouattara au centre de la polémique. En faisant d'Alassane Ouattara l'homme qui, avec ses conseillers défaillants, a décidé un jour de livrer la guerre à la Russie. Et donc, il met dans les têtes des gens que c'est la Côte d'Ivoire, avec la pire décision que Alassane n'ait jamais prise depuis 2011, en association avec ses conseillers qui ne dépendent que de leur pain, des conseillers défaillants, que Alassane Ouattara a décidé de livrer une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Niger. C'est cette image-là qu'il met dans les consciences. Et il va plus loin. On écoute. C'est le lien, c'est dans le lien que je viens de mettre. La décision que le président, que j'aime beaucoup, vient de prendre, elle aura des conséquences négatives sur 100 ans sur la République de Côte d'Ivoire. Il faut donner cette vidéo au président. La décision d'aller en guerre contre le Niger aura des conséquences graves sur la vie de la Côte d'Ivoire sur 100 ans. Si tu n'es pas allé à l'école comme moi, il faut quitter cette vidéo parce que tu ne peux pas comprendre. Et donc, puisque la guerre que la Côte d'Ivoire va livrer au Niger, quand Nieba simplifie la situation, il le fait par mauvaise foi intellectuelle, il donne l'impression à cette masse inculte que c'est une guerre que la Côte d'Ivoire va livrer au Niger. Donc, on ne va pas t'attaquer et puis tu ne vas pas riposter. Donc, le Niger aussi va riposter, ou même les Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire vont s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Et donc, ça sera un affrontement entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Voilà l'impression que Nieba a donnée. Et il va plus loin. Ce n'est pas la seule vidéo. Et les vidéos continuent. Ça, ce n'était que la première vidéo, puisqu'il a intitulé ces vidéos-là, qui existent encore sur sa page, Mon opinion sur l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Et celle que je viens de vous jouer, c'était la vidéo du 11 août. Dans d'autres vidéos dont je mettrai les liens, mais on ne pourra pas toutes les lire. Et donc, vous me permettrez de mettre les liens. Vous me permettrez de mettre les liens. Ce n'est pas toujours facile. Mais permettez que je le fasse. Je viens de mettre le deuxième lien. Et permettez-moi que je mette
le troisième lien. OK. Et donc, permettez-moi, voilà. Et donc, vous allez comprendre l'utilité, parce qu'il faut parler en laissant des preuves pour que vous puissiez vérifier. Et donc, je viens de mettre la troisième. Mais en réalité, c'est une série de quatre vidéos. Et je viens de vous mettre les liens. Et donc, quelle était la stratégie de communication d'Isaac Nyebangessan? Le 11 août, quand il sort, il vient faire une réduction de la situation. Il n'accuse pas la CEDEAO de vouloir livrer une guerre. Et la CEDEAO même n'a pas dit qu'elle livrerait une guerre au Niger. Mais il réduit la situation comme si c'est Alassane Ouattara et ses conseillers défaillants qui ont décidé de livrer une guerre au Niger. Et quand Nyeba fait cette réduction-là, le 12 août, le 13 août, et la quatrième partie de la vidéo, je ne l'ai pas vue sur sa page, la troisième partie n'existe pas sur sa page, mais quand vous suivez ces vidéos-là, au fur et à mesure, on a l'impression que Nyeba a été mis en mission. Et quand il a fait le 11 août, ce que vous avez entendu, c'est Alassane Ouattara qui s'en va attaquer le Niger et ça sera une conséquence que la Côte d'Ivoire va connaître pendant 100 ans. Tellement le Niger ne va pas nous faire cadeau. Et donc c'est Alassane Ouattara qui veut mettre la Côte d'Ivoire en danger. Voilà l'impression qu'il voulait donner. Et donc il continue plus loin dans d'autres vidéos pour nous dire qu'il demande, lui, Nyeba, à ce que l'ordre qu'Alassane Ouattara a donné aux militaires, là, que les militaires refusent de respecter cet ordre-là. Et qu'à défaut de refuser, il leur dit de demander 100 millions par personne à Alassane Ouattara. On aurait pu décoder le discours dans plusieurs sens. Mais on s'arrête là. Ce qui est là, quand il a fini de faire toute cette présentation macabre, mortifère et je dirais même de déficience intellectuelle, l'individu, parce que lui, il est contre l'intervention, et donc c'est la pire des choses. Mais il oublie que l'intervention n'est qu'une étape la plus de la dernière, en ce sens que les discussions et les sanctions sont là. Il oublie que la CEDEAO, dans une volonté de discuter, a été voir le, je sais pas comment c'est, si c'est le calife ou bien le lamido de Kanou. Il oublie qu'il y a eu une délégation de la CEDEAO qui n'a même pas pu traverser l'aéroport. Il oublie qu'il y a la délégation américaine qui a été refoulée. Il oublie que la junte continue aujourd'hui de lancer les propos de guerre plutôt que d'être dans la négociation. Nyeba laisse tout ça. Et de façon graduelle, il se met dans un acte suicidaire en croyant que lui, étant l'homme le plus diplômé de la vie, selon lui, les gens vont gober ce que lui a dit. Et donc, il présente Alassane Ouattara comme le pire des criminels. Et il fait un parallélisme de forme en disant, même Oufouet n'a pas fait ça. Mais ce n'est pas gratuit. Tout ce que vous avez vu, ce n'est pas gratuit. Nyeba était en mission commandée. De la même manière que les Ben Souk ont donné 1 million à certains individus qui se font passer pour des sages de Ségou, en collaboration avec le PPACI et avec les hommes de Sorogium, c'était une action bien préparée. Et donc, Nyeba va, le 11 août, procéder à la première étape. Montrer à Alassane Ouattara comme un va-t-en-guerre qui veut compromettre l'avenir de la Côte d'Ivoire. Une deuxième fois, il faut venir le discréditer devant l'armée et contester les ordres du chef suprême que Alassane Ouattara est. Et une troisième fois, venir dire aux gens, vous savez, ceux qui ont pris les 300 euros, les 200 euros. Et là, c'est intéressant. Parce que quand il a commencé, on s'est dit que, bon, le connaissant très instable, il va arrêter. Mais quand il dit certaines choses, pour un intellectuel, on avance toujours des propos avec des faits qui sont vérifiables. Moi, j'ai dit ici que Nyeba Isaac faisait partie des personnes qui ont reçu de l'argent. Quel est le montant? Je ne saurais vous le dire. Mais je vais vous donner aujourd'hui les détails de la piste. J'ai dit ici que Adrien Vabé avait reçu de l'argent. Mais ce que je ne vous avais pas dit, je vais vous dire ça et le mode opératoire, comment ils ont reçu ces sommes-là, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et donc, étant en mission commandée, Pulchéri Gbalé, à travers sa société, soi-disant civile que vous connaissez là, Pulchéri Gbalé a été contacté
par le représentant de Kémi Séba en Côte d'Ivoire, Urgence panafricaine de Côte d'Ivoire. Son représentant s'appelle Aka Kossougro. Ce dernier, en complicité avec Pulcheri Balé, ont décidé de toucher certaines personnes qu'ils ont recrutées. Parmi ces personnes, il y a des artistes, il y a des comédiens, il y a des influenceurs, il y a des journalistes. Si vous, quand vous regardez, prenez les propos de Kouao et la vidéo que je viens de mettre là, allez voir, même Oufo n'a pas fait ça. On leur a donné leur feuille de route. Il faut discréditer Alassane Ouattara de toutes les façons, en le comparant à Oufo pour dire qu'il est l'antithèse des autres présidents de la Côte d'Ivoire. Et donc, tout ce que je vous cite là, ne soyez pas surpris de voir Crépin Justin ou même Crépin Crépi là-dedans. Je ne les connais pas tous, mais tous ceux qui ont tenu le même langage, que Nyeba sorte pour venir nous dire qu'il n'a pas pris de l'argent, ce n'est pas la première fois que je le dis, ça ne sera pas la dernière fois. Parce que quand tu affirmes quelque chose et que tu en as les preuves là, il faut les mettre. Et donc, ceux qui ont été recrutés, il y a bel et bien des artistes, il y a bel et bien des influenceurs, il y a bel et bien des journalistes, il y a des vidéomans. Et vous remarquerez, il y a même d'autres pages comme Investir en Côte d'Ivoire qui ont été recrutés, ainsi que l'Infodrome. L'Infodrome aussi a été recruté dans leur stratégie. Et le financement est venu de l'extérieur à travers les différents horizons via les moyens de transfert illégaux. Ils ont fait ça soit par personne interposée. Et donc, ils ont remis les sommes en Europe et quelqu'un vient retirer pour remettre aux gens qui vont à Abidjan. C'est-à-dire, si la personne à Abidjan, là, les sommes sont venues à Abidjan, on dit, bon, comme toi, éclaireur, tu t'en vas peut-être à Abidjan, prends cette somme-là, tu remets à telle personne. Là, comme ça, ils ne vont pas laisser des traces. Et donc, ces personnes-là ont reçu ces sommes-là cash en main. Quant à ceux qui sont dans d'autres pays comme les Amériques et dans d'autres pays européens, eux, ils ont reçu leur somme directement par RIA ou bien par TapTapSend. Ça, c'est ce que moi, je sais. Et c'est ce que je viens de dire. Et ils ont tous eu la même feuille de route. Discréditer Alassane Ouattara comme le centre stratégique. Et c'est pourquoi il dit, à longueur de journée, il répète qu'il veut la guerre au Niger. Alassane Ouattara n'a jamais dit qu'il veut la guerre au Niger. Et j'ai dit, et je le répète, voici ce qu'Alassane Ouattara a dit. Écoutez et comparez-le avec ce que Nyeba a dit et faites vous-même votre idée. Vous me permettrez de remettre ce que le président Ouattara a dit. Et vous allez bien écouter. Et donc, on fait jouer la bande ici. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celui-ci lui a été confié par le peuple nigérien. Et donc, contrairement à la malhonnêteté politique que Nyeba voulait faire croire, Alassane ne dit pas « je ». Il dit « nous ». Mais « nous » là, c'est qui? Ça veut dire lui et puis beaucoup de personnes. Mais tout le monde sait, ça n'a jamais été caché. C'est lui, Alassane Ouattara, et tous les présidents en exercice de la CEDEAO. Pourquoi vous venez simplifier la situation pour mettre Alassane Ouattara au centre et faire de lui la personne qui veut forcément, comme Nyeba le dit, chaque jour, il fanfaronne en disant « je vais faire la guerre au Niger, je vais faire la guerre au Niger ». C'est très dangereux, mais il le fait parce qu'il avait reçu de l'argent pour le faire. Voilà l'explication. Je vous ai expliqué comment ils ont reçu leur argent. Ce n'est pas la première fois que je dis ça. Peut-être que j'ai donné plus de détails, mais qu'ils sortent pour venir dire que c'est faux. Bizarrement, c'est eux, dans leur intervention, ils disent qu'il y a des gens qui ont reçu 300 euros. Est-ce que ce ne serait pas vous qui avez reçu les 300 euros en réalité? Mais il fallait donc accuser les autres de ce que vous avez fait pour vous donner bonne conscience et faire le sale boulot. Mais Nyeba n'aura pas le courage de continuer son sale boulot. On écoute d'abord le président avant de continuer.
Bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence. Les chefs des États de la CEDEAO demanderont. Donc la décision qui a été prise là, pour l'intellectuel que tu prétendrais être, ce n'était pas une décision singulière du président Ouattara, mais c'était une décision collective des chefs d'État de la CEDEAO. Monsieur, j'ai les diplômes. En vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Nous avons réaffirmé aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Les putschistes sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger. Depuis le temps d'Amenu Diori et de Oufouet Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité, mais nous tenons à dire que cela est la faute des putschistes. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, cela ne serait pas arrivé. Je tiens à le souligner. Alors donc, je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit, nous demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Les chefs d'État l'ont dit. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui a dit. On continue. Ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore, ainsi de suite. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens. Alors, la CEDEAO, vous savez, a fait sa part. Elle a dépêché plusieurs émissaires, dont le président Abdou Salam Aboubakar et le sultan de Sokoto, Saad Aboubakar. Mais ils n'ont pas été reçus par le chef de la junte. Nieba vient démentir ça là. Cela est contraire à nos traditions africaines et constitue un manque de respect pour sa haute personnalité, pour le Nigeria et pour toute la CEDEAO. Ce n'est pas acceptable. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, le constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement de troupes. Nieba, en français, SEM, ça veut dire les chefs d'État qui constituent la CEDEAO, là, c'est eux tous qui ont décidé. Donc là, tous les malheurs que tu as prévus à la Côte d'Ivoire, là, c'est à l'ensemble des pays de la CEDEAO aussi qu'il fallait dire la même chose, si tu n'étais pas un malhonnête patenté. Mais on continue. Un nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ses troupes
pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives. Je voudrais indiquer que l'ensemble de ces décisions sont collectives. Ça veut dire en français simple là. C'est tous les chefs d'État de la CEDEAO qui ont pris la décision. Même ceux que tu acclames là, comme le traître de Gnassingbé là, eux tous là, ils ont accepté la décision. C'est ce que ça veut dire. Sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État. Et donc il dit, c'est pas la Côte d'Ivoire qui a pris la décision là. Contrairement aux mensonges pour lesquels tu as reçu, je ne sais pas si c'est 300 euros, et tu veux te transformer comme Alassane, un diable là. Avant toi là, il a clarifié les choses. Pourquoi tu ne contestes pas la décision? Tu dis que tu es un partisan du président Ouattara. Mais il faut critiquer le discours interne du président Ouattara devant tout le monde. Il faut venir critiquer et analyser devant tout le monde. Tu vas voir que ce que tu as dit le 11 août est en porte-à-faux complètement avec le sens de la logique, de l'honnêteté et de la probité morale. Que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin, ces trois pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Donc la conférence des chefs d'État tient à le faire savoir. Et donc on aura pu s'arrêter là parce qu'il faut continuer. Et donc, quand on indigne jusqu'à ce point, un froussard qui, lors du congrès de la JPDCI, est-ce que toi, tu n'as pas fui en sautant par la fenêtre, toi, Nyeba? Quand je vais dire ça, tu vas dire, oh, mais tu n'es pas un extraterrestre, on te connaît très bien. Est-ce que KG ne t'a pas fait sortir de par la fenêtre? Tu n'as pas fui? Gros, grand, mais le petit t'a fait fuir, tu as sauté par la fenêtre au congrès de la JPDCI. Toi qui penses que tu peux gueuler sur la toile, que les gens ne te connaissent pas. C'est pas toi. La femme que tu dis, la femme blanche qui t'a aidé là, c'est sur quelles conditions elle t'a aidé? Quand tu étais réfugié au Togo là, c'est à travers l'handicap physique de ta femme là, qui est comme une femme, Adama Nathan là. C'est sur ça. C'est la motivation qui vous a aidé en ce sens que vous êtes des réfugiés et que tu as une femme qui est un cas social parce que Adama Nathan, c'est là que la dame, la blanche, elle a fait votre dossier et puis vous êtes parti au Canada. Il faut dire cette vérité-là aux gens, on va passer. Actuellement même, là, cette femme même t'a chassé de ta maison. Aujourd'hui où on parle, elle t'a chassé. Mais on passe, ça c'est ta vie privée. Et donc, l'individu va produire, et c'est ça qui m'a énervé. Il va donc produire hier une autre vidéo que je vais vous faire jouer ici pour se présenter comme quelqu'un. Lui, il est tellement intelligent. Lui, il connaît tellement de choses. Bon, moi, je vais te dire que ton Prigogine, là, moi, j'ai les informations qu'il a été tué aujourd'hui. Je te dis que moi, là, je te dis ton Prigogine, là, en tout cas pour les informations que j'ai. Parce qu'il va jouer une vidéo hier, il va nous dire, Prigogine, dans la vidéo, on dit Prigogine est déjà au Niger, c'est gâté, c'est comme ça. Bon, moi, je te dis aujourd'hui, là, c'est mercredi, non? On vient de tuer ton Prigogine. Et je vais te lire l'article. Mais moi, je ne suis pas un vanupier. Un déchet comme toi, je vais mettre les liens et puis les lire parce que c'est en anglais. Toi, le journaliste qui ne prend pas le soin parce que tu t'es fait payer et tu viens raconter des conneries aux gens, voilà le lien qui nous dit que ton Prigogine en vient de le... Vladimir, c'est que les articles ne disent pas. Moi, je te dis aujourd'hui, toi, l'homme le plus renseigné, c'est Vladimir Poutine qui a donné l'ordre de bombarder son hélicoptère. Nyeba, tu es qui? Toi, tu dis que tu es dans le service des renseignements. Moi, je ne suis pas dans le service des renseignements. Mais la mort de Prigogine là, c'est qu'on a demandé à la Biélorussie qu'elle n'a pas fait là. Poutine a fini par le faire avec le KGB. Tu dis quoi maintenant? Moi je ne suis pas dans le service de renseignement. Ce n'était qu'une question de jour. Tout avait déjà été décidé. Et vous allez voir dans la disquette que je vais jouer, il veut nous inquiéter. Non, ce n'est pas nous que tu peux inquiéter. Et donc vous allez me permettre de lire cet article avant de continuer. S'il vous plaît, j'ai déjà mis le lien. 10 killed in private jet crash north Moscow. Wagner leader Yevgeny Prigozhin on passengers list. 10 morts dans un accident d'avion privé au nord de Moscou. Le leader de Wagner, Yevgeny Prigozhin, sur la liste des passagers. Et on va donc lire ensemble ici. 10 people have been killed in private jet crash north Moscow with the Russian civil
aviation authority saying Yevgeny Prigozhin was on the passengers list. 7 passengers and 3 crew members were on board an Embraer aircraft which was en route from Moscow to St. Petersburg, TASS, news agency reported. The jet is said to have crashed in the, je sais pas, TVR, the region, north of Moscow. Multiple videos posted on social appear to show the jet crashing. Et donc, voici ce que, pour faire rapidement une traduction, 10 personnes ont été tuées dans l'accident d'un avion privé au nord de Moscou. L'autorité de l'aviation civile russe a déclaré qu'Evgeny Prigozhin figurait sur la liste des passagers. 7 passagers et 3 membres d'équipage se trouvaient à bord de l'avion Embraer en route de Moscou vers Saint-Pétersbourg, a rapporté l'agence de presse TASS. L'avion se serait écrasé dans la région de TVER. Je ne sais pas si vous dites Vermetvin, bon, vous prenez ça comme ça, au nord de Moscou. Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux semblent montrer l'avion s'écraser. Donc là, ton épouvantail que tu pouvais prendre, que tu as pris hier pour penser que tu allais nous effrayer là, on vient de le taguer. Et puis maintenant, tu dis quoi? Bon, moi j'avais cette information là depuis pratiquement 3 semaines, que Prigozhin ne devrait pas finir le mois de septembre 2023. Moi, je ne suis pas agent de renseignement, hein, mais je savais ça. Comme de la même manière, on savait que les terroristes sur qui tu comptes là, de la même manière, 2 semaines auparavant, on les a tagués quand ils ont fait leur descente à Kiev là. Il faut aller, c'est la même source là qui m'a dit ça. Là, je m'arrête là pour te dire, tu n'es pas l'homme le plus renseigné, tu n'es pas l'homme le plus instruit, mais tu fais partie même des hommes les plus bêtes de ta génération. Quand tu regardes tes 56 ans et tu regardes ton comportement, tu as une honte pour toi-même, tu as une honte pour ta génération, tu as une honte pour tous ceux qui ont du respect pour eux-mêmes. Tout ça à cause de quelques broutilles, parce que tu t'es encoquiné avec l'école de la honte, l'école de Tapekulu Laurent, pour faire chanter les gens, et tu penses que en venant au RHDP, tu aurais obtenu gain de cause et les gens allaient se plier en quatre pour toi. Et donc, dans ta frustration, tu t'es vendu à Sorogium, tu t'es vendu au PPACI. C'est ça qu'on appelle un prostitué intellectuel ou bien une pute de bas étage, si je peux me permettre le terme. Mais Nyeba, tu dis que tu parles mal. Mais moi, là, je t'ai dit, moi, éclaireur pro-vérité, là. Si tu es garçon, il faut réagir. J'ai dit, ta maman, là, je vais la prendre et puis dis son nom un à un. Tu es Dida, je suis Dida. Ça, là, on ne va pas dire que c'est xénophobie. On va faire ça entre nous, Dida. Et puis les djoulas, là, vont nous regarder. Je suis prêt pour toi. Si tu es garçon, là, il faut sortir pour dire mon nom. Même, il faut faire insinuation. Ce jour-là, je t'ai dit, là, de la manière que ta maman t'a mis au monde, là, je vais tirer ces poils-là un à un pour te dire ton vrai nom. De la manière que tu dis que tu es sauvage, là, ta sauvagerie sur la salle Ouattara, là, tu n'es pas obligé de l'aimer, là. Moi, avec mon groupe, là, on va enlever cette folie-là dans ton corps. Si tu n'aimes pas la salle Ouattara, tu passes ton chemin. Pour nous, là, tu es un tonneau vide qui ne fait plus de bruit alors que tu ne vaux absolument rien. Quelqu'un qui a réussi à l'aventure comme nous autres. Moi, j'ai mangé à la même table que Hillary Clinton. J'ai mangé à la même table que la femme du président Obama. Obama même là, c'est mon parrain. Quand j'ai dit ça là, je peux prouver ça. La remise du diplôme, c'est la femme d'Obama qui nous a remis le diplôme. Fafa, elle nous a dit sa vie. C'est de ça qu'il est question. John McCain que tu vois là, lui et nous là, on a fait des levées de fonds ensemble. Mais on ne se promène pas pour dire ça. C'est les hommes faibles comme toi, quand ils font quelque chose là, ils viennent, j'ai fait ça avec telle chose, j'ai fait ça avec telle chose, j'ai fait ça. Tu veux te donner une importance que tu n'as pas. Sinon là, il y a des hommes 10 000 fois plus importants que toi et moi, mais qui sont humbles là. Tu manques d'humilité et c'est une stupidité de ta part. À 56 ans, un homme devrait avoir un minimum de sagesse. Et cette sagesse-là, tu ne l'as pas du tout. Et ça fait honte. Et donc, on écoute sa vilaine vidéo d'hier ici, qu'il a eu à réaliser le 22 août 2022. Et là, il sort pour insulter l'intelligence de tout le monde. Et c'est ça, j'ai dit, je ne pardonne pas.
un vendu-pied, un froussard, un déchet, un détail malheureux de l'histoire que Dieu, toi tu es. Toi, tu viens t'arrêter. Voilà, ceux qui sont comme ça, ils sont comme ça. Ils ont reçu de l'argent. Bon, toi-même, là, je viens de donner le mode opératoire. Celui qui te contrôle, on vient de le taguer. Je te regarde, ça me faisait rire. Tu ne connais absolument rien. Reste dans ton trou. Nous, on s'en fout de toi. En tant qu'Ivoirien, en tant que Canadien, nous, on s'en fout de toi. Parce que tu n'es absolument rien. Tu ne nous as d'aucune utilité. On va te dire ça en face. Nous, là, c'est nous-mêmes, nos muscles, avec nos cœurs qui ont mis Alassane Ouattara au pouvoir. Nous, les gens du RDR. Donc, là, ta grosse gueule puante, là, on s'en fiche. C'est moi, je te dis ça. Et puis, si tu ne réagis pas, c'est que tu es un bâtard. Moi, je te dis ça en plus. Et donc, on écoute la vidéo du gros chien de Nieba qu'il est. Je n'aurai plus pitié de toi et je ne serai plus modeste. On l'écoute ici. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. C'est juste une toute petite vidéo. L'intitulée « Je demande pardon à tous ceux et à toutes celles que j'ai offensées dans mes prises de parole. » À un moment donné, je l'ai fait parce que je suis un passionné de l'Afrique. Et je ne peux pas voir et être à la table où on immole l'Afrique. Je fais cette vidéo parce que je ne vais plus intervenir régulièrement. Parce que ça ne me rapporte rien, je n'ai pas une page monétisée, je n'en reçois rien. Donc, pour cette petite vidéo qui va faire seulement, je crois, 15 minutes, je voudrais demander pardon, sincèrement pardon, à tous ceux et à toutes celles que j'ai offensées en voulant défendre passionnément la Côte d'Ivoire, passionnement notre Afrique qui a longtemps souffert, je voudrais demander pardon au premier magistrat de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, si dans ma fougue, dans ma parole, je lui ai dit de ne pas aller en guerre au Mali et que ses partisans pensent que je suis méchant, je demande pardon. Je demande pardon à sa femme, Dominique Ouattara. Je demande pardon à ses collaborateurs. Je demande pardon au ministre du gouvernement. Je demande pardon à tous ses partisans. Si j'ai offensé un cadre du PDCI-RDA, proche du président Bédier ou contre le président Bédier, je leur demande pardon. La fougue! Pour ne pas que l'Afrique plonge, pour ne pas que la Côte d'Ivoire plonge, m'a fait dans mon ignorance mettre ma bouche dans ce qui ne me concerne pas. Parce que quand l'Afrique brûle, c'est nos parents qui brûlent, mais physiquement, ça ne me touche pas, ça ne touche pas mon enfant. Je voudrais demander pardon à tous ces cadres du PDCI-RDA. Et je voudrais demander au président Bédier de m'accorder son pardon outre-tombe. Je voudrais demander pardon au président Laurent Gbagbo, président du PPACI, qui n'est pas mon ennemi, qui n'est pas mon adversaire, qui n'a jamais confisqué mes intérêts, il n'a jamais cherché ma femme. Lui et ses collaborateurs, si dans mes prises de parole, il y a des choses que le président Gbagbo n'a pas aimées, que ses collaborateurs n'ont pas aimées, je vais leur demander pardon parce que j'ai mis dans ma bouche, dans ce qui ne me concerne pas, parce que je ne suis pas en Côte d'Ivoire, s'il y a une bombe, tout ça qui éclate là-bas, ce n'est pas moi que ça intéresse. Je voudrais demander pardon au président Fingesan si j'ai prononcé son nom dans un contexte qu'il n'a pas aimé. Je demande pardon au président Fingesan et à sa femme Angéline Kili. Je demande pardon à mon frère Mabri Touakeus qui autrefois il était député, il m'a rendu beaucoup de services, c'est un aîné, il m'a rendu beaucoup de services. Je voudrais demander à Mabri Touakeus de pardonner mes offenses. L'amour de la Côte d'Ivoire, à un moment donné, m'a fait, j'ai été très dur. Je voudrais demander pardon à Soro Guillaume Kibafori. Soro Guillaume, nous sommes de la même promotion, j'ai 4 ans de plus. Retenez bien cette partie.
il va demander pardon à Sorogium, à la guêpe, à Soule de Paris, à tous ces exécrables que vous connaissez. Mais pourquoi il demande pardon? C'est ce que l'individu ignoble ne peut pas dire, mais je vais dire ça aujourd'hui. On continue. Pour lui, s'il y a des paroles que j'ai prononcées, qui l'ont offensé, qui n'a pas aimé, je ne suis pas un homme de gouvernement. Je ne profite pas d'un acte de gouvernement et je suis très loin de nos terres natales, Afrique. Je demande pardon à Sorogium. Je demande pardon à ses collaborateurs. Je demande pardon à Soule de Paris. Je demande pardon à Camara Maïmouna la guêpe. Je demande pardon à Franquin Nyamsi. Leur positionnement politique, ce n'est pas à moi de les combattre parce que je n'y gagne aucun intérêt. Ok. Je viens de mettre le lien de ces propos aussi stupides que dégradants. On ne va pas perdre le temps pour écouter. Mais pourquoi l'individu se met à demander pardon à tout le monde? Parce qu'il a pris de l'argent à presque dans toutes les chapelles. L'individu se sent menacé aujourd'hui. L'individu est devenu tellement non crédible que lui, le grand intellectuel, a tout intérêt à faire de la fuite en avant pour ne pas être découvert au grand jour. Donc il faut sortir de façon hypocrite et irresponsable. Nieba, ta vidéo du 11, du 12, du 13, etc. en août là. Quand tu faisais là, il y a quelque chose qui t'a trahi grave. Tu regardais à ta droite un document. Pour le savant que tu es, ça veut dire que le document là, c'est quelque chose qui a été écrit et que tu lisais. Ou bien c'est quelque chose qui t'a été imposé et donc tu devais suivre la ligne. Ça, ça t'a trahi. Ça, il faut retenir ça. Parce qu'en réalité, tu avais une fiche sur laquelle on t'a donné un certain nombre d'informations. Et si toi, une fois que tu faisais ces vidéos-là, les proches des Soros, les collaborateurs, l'argent qu'ils t'ont donné là, chaque fois, quand tu as fait la 1, la 2, la 3, est-ce que la 4e vidéo existe sur ta page? Allez sur la page de Nieba Isaac Niesan, vous n'allez pas voir la 4e vidéo. Mais vous allez voir la 1ère, 2ème et 3ème vidéo. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'est piégé de tous les côtés. Il s'est piégé du côté des Ivoiriens sérieux. Parce que quand les gens le regardent, on se dit, mais de quoi est-ce que celui-là est en train de parler? Et il a vu des réactions. Il s'est dit, bon, ça là, allons doucement. De la manière dont je suis en train de dénigrer le Prado là, si je ne fais pas attention là, ah, ça ne sera pas bon pour moi. Et en même temps, les gens de Soro mettaient pression sur lui. Il faut finir le travail là. Il faut finir le travail pour lequel tu as pris jeton là. Nieba est pris en deux pains. Et donc il est là, il tourne. La solution qu'il a trouvée, c'est de venir dire, je demande pardon à temps, je demande pardon à temps, je demande pardon à temps. Mais est-ce qu'un individu qui est un intellectuel hors pair comme lui, Nieba, peut demander, un homme, l'homme le plus orgueilleux de la terre, peut se lever comme ça pour demander pardon à tout le monde s'il n'y a pas une raison? S'il n'a pas pris quelque chose qui l'oblige à demander pardon, c'est que lui-même, il se reproche quelque chose et il vient demander pardon avant que ceux qui lui ont donné cette chose-là ne viennent dire ça. Voilà la raison. Mais dans son arrogance, il essaie de se donner de l'importance comme si lui n'est pas affecté. Mais de toute façon, là, ta maman a Yokobwe. Si elle a la guerre en Côte d'Ivoire, ils vont la tuer. Ils vont raser ton village Yokobwe. Ça, au moins, là, ça serait une satisfaction pour ceux qui vont venir tuer tous les Ivoiriens. Mais comme tu es tellement indigne, parce que tu as un petit passeport, ça, c'est ton premier diplôme canadien en poche. Pour toi, c'est le plus gros diplôme. Et donc, toi, tu t'en fous de la Côte d'Ivoire. C'est les inconscients qui parlent comme ça. C'est les gens qui ont échoué là qui parlent comme ça. Nous, on va te dire ça propre. Et donc, les pardons qu'il demande là, les militants du RHDP ne pensaient pas que c'est à vous. Il est venu demander pardon parce que il ne peut plus faire le boulot que les soroïstes et les gens du PPAC lui ont demandé de faire. Cher maire, je vais vous rappeler. Je suis en pleine présentation. Je vais vous rappeler. Et donc, voilà un peu la réalité qui se passe. Je vais m'arrêter là. Il me semble que les gens veulent beaucoup prendre la parole. Donc, je vais m'arrêter là et peut-être avec les questions, je vais directement prendre cette mère et on va entendre ce qu'elle a à nous dire et après, on va pouvoir progresser.
Et donc, comme je le disais, ce n'était pas réellement le pardon qu'il voulait demander. Mais en réalité, Nyeba demandait pardon. L'argent que j'ai pris avec vous là, je ne pourrais plus faire le travail parce que tellement pression est sur moi de tous les côtés. Donc, pardonnez, je vais vous demander pardon, je ne pourrai plus faire. C'est pourquoi vous allez voir, tous les soroïstes se sont entassés sur sa vidéo là pour pouvoir essayer de dénigrer le président Ouattara pour dire, ah, c'est Nyeba même qui a dit ça. C'est fait exprès. Et il a accepté de jouer ce sale rôle. Bonsoir, cher maire. C'est clair. Oui. Ça va? Oui, ça va très bien. Nous sommes en direct en ce moment. Ah, ok. Oui. C'était pour poser une question là. Ok, vous pouvez poser la question. On dirait le patron de Wagner, là, il est décédé. Poutine l'a tué ce soir, selon les informations. Je n'ai pas encore vérifié, mais depuis deux semaines, je savais qu'on devait l'assassiner en Biélorussie. Mais on dirait que le président biélorusse n'a pas accepté. Donc, il fallait trouver un autre terrain. Wow. Donc, ce soir, là, ils l'ont bombardé. Mais il a deux ou trois sosies. Il faut qu'on confirme correctement. Yeah, I know. Everyone is talking about it. So we just have to verify that everything is okay. This kind of fire, I don't think it's but that's a good news for us. This is a very good news, and you have to be happy for that. Yeah, it is. Yeah. Uh-huh. Mm-hmm. Yeah, I am. Yeah, pas de problème. Comme c'est pour dire qu'elle est Dieu là, je vais aller au funérail de ce monsieur là. Oui, ok. Oh, les Maliens apprécient vous. Et puis, ce que j'ai appris, le problème, je ne sais pas si toi tu as appris ça, mais il y a qui m'a donné les informations de Air France là. Ils veulent prendre Air France en otage. Au Mali là-bas là. Au Mali là-bas. Mm. Oui, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils n'ont qu'à faire. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille avec cette. Quand quelqu'un devient bête, là, il y a son médicament. Quand quelqu'un devient malade, là, il y a son médicament. Mais j'ai dit cela. On va les limer mal. Cher mère, restez tranquille. C'est qu'on va leur faire, là. Eux-mêmes vont s'asseoir. Ils vont rien comprendre dedans. Ils ont voulu prendre Air France en otage. C'est pourquoi les informations. Les informations. Tout le monde a ses informations. Ils ont ça, le DOD. Donc, toutes ces informations, ils ont voulu prendre ça en otage. Vous n'avez pas d'avion présidentiel ou bien rien. Et puis, vous voulez voler les gens. C'est ça la révolution pour eux. Oui, c'est Wagner qui a mis ça dans les têtes. C'est Wagner qui a mis ça dans les têtes parce qu'il est avec les armes, il progresse. C'est Wagner qui a mis ça dans les têtes. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Prendre Air France en otage. Maintenant, là, ils ne peuvent plus prendre. Elle prend en otage, ils vont dépenser plus d'argent. Stupid people. On leur souhaite bon vent. On leur souhaite bonne chance dans leur révolution. Mais ils sont bêtes. Tu as vu ce qu'ils ont passé hier? Ils ont passé une loi de l'immigration. Ils veulent que l'immigration maintenant commence à participer à leur économie du pays. Les immigrants qui sont en dehors doivent participer. Mais ils n'ont rien compris. Les immigrants, comme ils sont illettrés, là, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils n'ont rien compris. Non, mais ces Maliens qui sont à l'extérieur aussi qui les encouragent à ça. Donc, c'est totalement normal qu'ils apportent leur contribution. Et donc, vous comprenez, quand j'ai dit que les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire soutiennent les rebelles, les djihadistes, là, c'est ça. Mais vous les supportez. Donc, ils vont demander que vous apportez votre contribution. Voilà. Ils les supportent, oui. C'est que la réunion a trouvé hier, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien que la diaspora, immigration, la diaspora. Mais ils n'ont rien compris dans la réunion. Tout ce qui est sorti de la bouche, ils n'ont rien compris. J'ai dit, ça c'est bien. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que 1000 francs que vous gagnez là, 25 francs ou bien 2000 francs doivent être dans la poche du gouvernement malien. Voilà ce que ça veut dire. Vous tous, vous devrez participer à ça. En tout cas, on les regarde dedans. Là, nous, ils n'ont pas resté là. On prie Dieu pour que leur malheur s'augmente. C'est vraiment ce qu'on peut leur souhaiter, quoi. Que Dieu augmente le malheur des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens et des Guinéens. Et ils n'ont pas resté avec ça sur Dieu là-bas. Ils n'ont pas resté avec ça sur
savaient ce qu'ils faisaient là-bas. J'ai les entendu, j'ai entendu cet imbécile de Clopin là, en train de raconter du n'importe quoi à la fois derrière. Il dit qu'il y a 30 jeunes Ivoiriens qui ont été neutralisés au nord à Kafolo, derrière Kafolo. Moi, je trouve que peut-être c'était des djihadistes. Non, non, c'est des jeunes gens, c'est faux, il ment. C'est des jeunes gens, c'était à la frontière entre le Burkina et le Togo, c'est des jeunes Ivoiriens qui partaient, tu sais comment on fait le truc, hein? Ils ont pris des véhicules, bon, tu sais comment ça se passe, on n'explique pas ça toujours. Et en revenant là, ils ont tiré sur eux, pensant que c'était des djihadistes. Oui, mais ils ont cherché les véhicules là pour voler, pour donner à qui? C'est crépé. C'est lui qui vend ce véhicule là. Non, 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 lui il est PD. Lui, c'est un Libanais. Non, 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 il est gay. So, he earns money in another way, you know. Il vend, voilà. Il dit qu'il a accompagné de 100 voitures à Abidjan. Voilà pourquoi c'est lui qui envoie ses enfants là, aller payer sa voiture là pour Liban. Okay. C'est que c'est lui qui a été le premier à faire sortir les informations. Ok. C'est lui qui a été le premier à faire. Je n'ai même pas entendu ça dans la bouche de qui que ce soit. Même toi, même qui n'en a pas parlé. Non, moi j'en avais parlé quand ça s'est passé. Quand ça s'est passé, j'en avais parlé. Ah, ok. Moi je n'ai pas suivi ce direct-là. Oui, mais c'est lui qui vend ces voitures-là. Les voitures, des voitures volées, les voitures trafiquées du Togo-là. Je dis, mais très bien. Nous, on est en haut. Vous allez acheter les voitures là-bas, vous venez, on va vous les saluer. Parce que vous n'avez pas demandé la permission à quelqu'un de sortir. Hein. Je ne sais pas qui vous êtes. Ou bien. Je trouve que ça a été bien fait. Il n'y a pas de problème. Mais de la manière qu'il a expliqué, c'est pas comme ça qu'il a expliqué. Il a expliqué comme si nous étions des démons, tout est cher. Ça fait que les enfants sortent pour acheter ce qui est moins cher. Non, moi je ne suis pas d'accord pour ça. On n'est pas d'accord pour ça. Dans un pays, il y a des droits. Et il y a des lois. Il y a des lois. Et il faut respecter ces lois-là. C'est tout. Partout, il y a des lois. Nous tous, on est aux États-Unis, ici, il y a des lois. Hein. Trump, même s'il ne va pas en prison, c'est qu'il y a des lois. C'est ce que j'ai dit à Gbagbo hier. Gbagbo, on t'attend. Après les élections de 2020, là, 23, là, on t'attend. Ton casier judiciaire, là, il faut venir. Viens, Gbagbo, viens. Demande à la justice de réouvrir ce cas-là. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. S'il reste encore vivant jusqu'en fin 2023. Mais il pense qu'il va rester vivant. Mais il n'a pas ouvert ce dossier-là. Parce que tous ces poussins-là, tous les catinaires-là, ils seront obligés de répondre aussi. Parce qu'ils sont tous dedans. C'est une chaîne. Il n'a pas continué. On attend ça. Franchement, on attend. Ok, oui. Time will just tell us. Hein? I said time will tell us. Viens, demande à la justice d'ouvrir ce dossier-là. Quand on va ouvrir ce dossier-là, on va voir tous tes poussins-là. Ils seront tous impliqués dans cette affaire. On a les vidéos, on a tout sur toi. C'est toi qui as donné l'autorisation de voler cet argent, parce que je n'ai pas l'argent. Tu as transféré tout l'argent, on a des magies, c'est tout. C'est quoi, on sait? Non, non, ne sont pas bêtes comme ça, ce jour-là. On est inconscient comme ça, là. C'est-à-dire, tu n'as pas fait les choses aujourd'hui? Nous sommes en direct comme ça même, et je vous avais donné la parole. Il y a les autres aussi qui sont là. On va aussi leur donner la parole. Ah, tu as donné la parole, et tu es en train de parler, on dirait, Femme Coyard à Mathieu Goulot. Non, c'est ce que j'avais dit, que nous étions en direct. J'avais dit que... On était en direct. Ah, je pense à ça. Et on est toujours en direct. C'est ce que j'ai pensé. Ok. Bonjour toute la classe, c'est votre queen. Comment on appelle ça? Nous, on appelle ça queen. Faut dire à des secondes. Moi, je ne comprends pas anglais. Il faut quitter sur notre page. Qui ne comprend pas anglais? Moi, je dis, moi, je ne comprends pas anglais. Il faut partir ton queen king. Nous, on ne comprend pas anglais. Nous, on a fait mandra ça. On a fait ça à Ouragayo. Ah, vous avez fait ça à Ouragayo. Même chose. Non, c'est ça que vous appelez Dougmakalan. Comme tous mes visiteurs, ils appellent ça Dougmakalan. De toute façon. C'est ce que moi je disais. Faut dire à des Sénégalais que moi je dis son mot d'IA 1500 fois. Moi je ne ferai pas la commission aussi. Quand il sera là, il faut venir faire ça en face de lui. Tu le connais où?
ce con-là. Hein? Dans tous les cas, là, quand il va venir. J'ai dit, je ne le dirai pas. Moi, je ne me mets pas dans la parole des gens. Moi, je ne suis pas comme Prigogine. Je ne veux pas mourir vite. Toi, le terrain, je te bats. Je n'ai pas peur de B52 hein, parce que B52 aussi m'a trahi hier en plein vol. Donc actuellement là, quand il va revenir là, on va, j'ai envie de couper Ignam avec lui en direct. Donc, il m'a abandonné en plein vol. Il y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Il y a pas de problème. On est tellement attaqué que vraiment, moi-même, je ne sais pas, mais on fait avec. Mm-hmm. Je ne reçois pas, c'est que ma grande-sœur, Madame Blanc, elle m'envoie toujours, mais je ne reçois jamais. Oui, malheureusement, on est extrêmement bloqué de tous les côtés, mais on tient. C'est ça le plus important. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Et je vous souhaite une excellente et une journée excellentissime. Je sais que ce français-là est trop fort pour toi, mais c'est bon comme ça. Ça veut dire bonne journée. Ça veut dire have a good day. Yeah, try to send it to me one more time, parce que je n'ai pas. Ok. Thank you. All right. Et donc, c'était une de nos mères très merveilleuses qui était sortie pour parler. Et donc, pour terminer rapidement, vous comprendrez que donc le Nyeba, le spécimen saugrenu comme un nénuphar, se met dans une posture de donneur de leçons. Ouais, ce que j'ai dit là, si vous n'êtes pas d'accord, donc maintenant, faites ce que vous voulez. Toi, tu es le papa de qui? Toi, tu peux donner ordre à qui? Un gros incapable comme toi. Un vieux con en puissance exponentielle. Un déchet de la vie que tu es. Toi, tu peux donner conseil à qui? Toi, tes avis là, si ça comptait là, tu allais être un homme très heureux. C'est parce que tu es très malheureux que tu donnes l'impression d'un homme qui a tout réussi dans sa vie. Sinon, ceux qui ont réussi dans leur vie là, ils n'ont pas fini de compter leur argent et leurs biens pour venir dire ça sur Facebook. Ceux qui ont réussi dans la vie là, ils veulent tellement bien vivre qu'ils ne veulent pas que des couillons comme toi viennent les gêner. Et donc, l'individu vient, j'ai demandé pardon. Toi, ton pardon là, nous on prend toilet paper, papier qu'on prend par le WC là, on s'essuie et puis on met ça dans ta grosse bouche sale, puante là. Nyeba. Ton imbécilité que tu as pris le goût de faire sur Alassane Ouattara, tu insultes, tu reviens, tu demandes pardon là. Tous les militants du RDR qui vont te pardonner là. Le mot que j'allais dire là, eux-mêmes ils doivent imaginer. Mais mille fois ça. C'est fini. Ceux qui s'amusent à insulter Alassane Ouattara sur la toile là, on va vous faire ça propre. Et puis votre cannibale là, on va pas mettre ça avec Pirigeois, hein. On va prendre nos 10 doigts là pour mettre dans vos anus et puis mettre pas des piments là-bas et puis placer dans vos intestins et puis on va voir ce que ça va donner. On va ajouter acide dessus. Un bâtard comme toi, un enfant mal élevé, un enfant qui a vécu comme un misérable de famille en famille, tu ne prends pas le temps de respecter les bienfaits des gens et tu te prends pour une sommité alors que tu es un gros tonneau vide. Et donc ton pardon de merde, ton pardon merdique, ton pardon merdeux, tu le gardes pour toi. Si l'aventure avait été ce que tu proclames et ce que tu clames sur la toile, sache que c'est pas toi seul qui a l'aventure. C'est pas toi seul qui a un passeport canadien. C'est pas toi seul qui a un gros diplôme. On a tous des gros diplômes et chacun sait ce qu'il vaut dans la vie. Et tu es devenu détestable et ridicule. Mais tu ne t'en rends pas compte. Et donc, il fait dans du sarcasme de bas étage en pensant qu'on va lui pardonner. Mais nous, on est prêts pour vous. Insultez Alassane Ouattara là. Même en raid, on va vous demander de faire. Vous n'allez pas faire. Et puis, il faut nous laisser dans notre histoire de RDR là. C'est le RDR qui a mis Alassane Ouattara au pouvoir. RHDP là, on allait casser la gueule de Gbagbo pour prendre notre pouvoir. Parce qu'on avait une rébellion. On allait casser la gueule de ton mentor pour prendre notre rébellion. Va dans ton PDCI de merde. Ou bien il faut aller rejoindre Soroguium, ou bien il faut aller rejoindre tes amis du PPACI. Et puis maintenant, là, il faut avoir le courage de te déterminer. C'est ça aussi, un homme qui pense être un vrai. Je vais m'arrêter là. Et comme je l'ai dit, ceux qui veulent prendre la parole, on va vous demander, soyez efficaces
en 10 minutes. Il se pourrait que beaucoup d'hommes prennent la parole. Quand vous venez, allez droit au but, 10 minutes, laissez la parole. Ça va beaucoup nous aider. Hier, on a été long. S'il faut être long aujourd'hui, la santé de votre serviteur que je suis peut en prendre un coup. Pensons à cela. Allons droit au but. Ce que tu as envie de la dire, on comprend et puis on passe. 10 minutes, ça doit être suffisant, sincèrement, pour pouvoir passer. Et donc, ceux qui veulent prendre la parole, qui se sont signalés, on va vous donner la parole. Vous allez progresser. Soyez le plus efficace possible. Ça marque et ça laisse un impact. Plus vous êtes long, plus ça finit par être déconcertant. Et donc, soyez efficace pour que ce chien de Nieba, on lui dise son vrai nom. Et puis, qu'on lui dise qu'il y a des vrais garçons qui sont là, on l'a vu là. Mais s'il veut qu'on organise ses funérailles avant sa mort physique là, nous, on est prêts à le faire maintenant. Et donc, on va débuter avec les premières personnes pour pouvoir progresser. Et puis, il n'a qu'à nous donner le nom des personnes qui ont pris de l'argent là. Hein. Si éclaireur pro vérité est dedans là, s'il ne dit pas que j'ai pris l'argent là, c'est que toi, Nyebala, ta maman là, tu es bâtard 10 000 fois. Il faut dire qu'éclaireur a pris l'argent. Et puis, il faut envoyer les preuves aussi. Comme de la manière, j'ai dit comment vous avez pris l'argent avec Plichéri Balé et l'association de l'autre là, Capo Chichi là. Il faut venir à les preuves aussi. Parce que tu accuses les gens dans le vide. Mais tu n'as même pas le courage de dire des noms. Comme de la manière, j'ai donné les noms et le mode opératoire. De comment vous vous êtes fait courant pour en arriver à ça. Et tu as peur de faire le boulot parce que tu as pris leur argent. Et je vous demande pardon, je vous demande pardon. C'est les sorciers qui font ça. Tu as mangé enfant des gens. On n'a même pas encore fini de t'attraper, tu demandes pardon. Tu demandes pardon pourquoi? Tu demandes pardon pourquoi? Faut nous dire pourquoi tu demandes pardon. Qui t'a accusé de quoi? Pourquoi tu sautes pour demander pardon? C'est pas nous on t'a obligé à aller prendre l'argent là. C'est pas nous on t'a obligé à faire la vidéo du 11, du 12, du 13. Le deal qui était entre vous là, qu'il fallait faire et puis chaque fois on te demande de faire plus là. Qu'est-ce que tu ne veux pas faire là? Il faut aller régler ça avec eux là-bas. Bonsoir Yann. Oui, bonsoir mon grand oncle. Oui, comment allez-vous? Comment ça va? Oui, ça va très bien. Ça va. Ok. On se veut véritablement efficace ce soir. Et donc, on ne donnera pas plus de 10 minutes aux intervenants. Et donc, on vous laisse avec vos 10 minutes. Non, je serai concis et bref. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, j'aimerais intervenir. Merci beaucoup déjà de me donner la parole. Je dis bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui sont sur la plateforme. Et déjà, je confirme ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à Prigogine. Je viens d'entendre ça aussi sur les informations il y a juste avant que tu n'en parles. Bon, malheureusement, je vais dire, malheureusement et heureusement qu'on est dans un monde vraiment où les réalités, on est toujours attrapé par la réalité des choses. Hein. Donc, je pense que ce n'est que un retour de bâton qui nous prouve encore que je pense qu'on est dans un monde où il faut quand même faire très, très attention quand on décide de s'engager avec des personnes sans foi ni loi. Voilà, des personnes pour qui il n'y a que leur intérêt qui compte et qu'ils ne te donneront aucun choix ni aucun autre issue de s'en sortir. Voilà pourquoi il faut simplement savoir choisir avec qui on marche pour savoir là où on va et là où on veut aller. En gros, c'est ce que j'aimerais dire à chacun maintenant, de prendre ça comme il l'entend. Pour revenir à l'actualité nationale, on a écouté la conférence de presse de... Du ver de terre. La conférence de presse du ver de terre. Merci. Le ver de terre, le nuisible, celui-là qui n'a jamais rien fait. Mm-hmm. Vraiment, vraiment. Moi, je pense que, franchement, ça ne valait même pas la peine. C'est une conférence de presse qui est assez inutile. Qui n'a rien apporté, qui n'apportera rien et qui n'a rien ajouté à la réalité de l'avancée du pays. Voilà, aujourd'hui, grâce aux réalisations, nous, c'est le développement qu'on veut, c'est le développement qu'on regarde. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est en train de se faire comme discours creux, vite et insensé et qui n'auront jamais de sens, je pense que tout le monde a eu le temps aujourd'hui
grâce au développement que le président Ouattara est en train de nous donner, tout le monde a eu le temps aujourd'hui de comprendre. Que ce soit même les pires ennemis, ceux-mêmes qui disent que nous, on ne l'aime pas, mais lui, il ne demande pas à être aimé. Mais lui, il demande à ce qu'on le juge sur ses faits. Je pense que c'est ça aussi un homme. Un homme est jugé sur ses actes. Et surtout en politique, on ne juge que les hommes sur leurs actes. Et les actes parlent pour le président Ouattara, qui est un bâtisseur, qui est un homme vraiment capable. Et je regardais encore les vidéos de ce monsieur-là lorsqu'il était aux affaires, en train de raconter des sornettes, ça et là, parlant du développement. Il n'avait aucune solution concrète. Parlant de l'insalubrité, il n'avait aucune solution concrète. Parlant de l'emploi, il parlait de créer une banque de l'emploi. Bon, enfin, des choses vraiment qui sortaient comme ça, sans réflexion, sans vraiment une impréparation totale. Et voilà. Quand vous avez vu qu'on a affaire à des gens comme ça, on ne peut que vraiment régresser. Donc moi, tout ce que moi je peux dire, c'est vraiment restons derrière le président Ouattara, parce qu'il nous a montré à travers son développement que c'est un homme capable. Voilà. Et aujourd'hui, grâce à lui, les Ivoiriens commencent à comprendre. Et vraiment, je dis Dieu merci, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège toute l'Afrique et qu'on est ensemble derrière le président Ouattara. Voilà ce que j'aimerais dire. Vraiment, merci beaucoup le grand maître. Merci d'avoir été aussi efficace. Et Alassane Ouattara, c'est une institution qui va s'imposer de gros de force parce que l'être humain, c'est celui qui s'est évalué et tôt ou tard, les gens finiront par comprendre la philosophie de cet homme-là. Et comme tout grand homme, on va le vénérer un jour et tu verras ces hypocrites venir dire si on avait su. Mais c'est en nous que réside le plus grand mérite d'Alassane Ouattara. Nous qui avons été ses contemporains. Je l'ai toujours dit, pour ceux qui auront suffisamment la vie longue parmi nous, il arrivera un jour, on va vous appeler pour dire, est-ce que vous avez voté pour Ouattara? Tu vas dire oui. Il était comment? Voilà comment il était. Et c'est lui qui a fait tout ça. Mais vous étiez à cette époque-là capable de réfléchir comme ça. Et nous serons des sujets d'admiration comme les gens de la caverne. Et tu sais de quoi je parle. Ce n'est pas gratuit la vie. Et ceux qui savent se faire respecter, et ceux qui payent le prix fort de la dignité, et ceux qui sont utiles à l'humanité, tôt ou tard, Dieu même finit par révéler leur histoire à l'humanité. Et c'est ce que nous autres, on sera. Parce que nos enfants vont dire, celui qui a fait ce pont, celui qui a fait cette route, celui qui a fait cette université, s'appelle Alassane Ouattara. Mais ce sont des femmes, des hommes, comme vous et nous, qui avons supporté ce monsieur-là sans rien attendre. Parce que notre idéal, c'était de construire notre monde. Ayons confiance en nous-mêmes et continuons notre combat. C'est ce que j'allais ajouter. Ok, merci mon grand oncle, je reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème, c'est nous qui vraiment sommes ravis et donc tu passes une très bonne soirée. Il y a une femme, c'est nouveau, qui dit de te dire que ton maudit a, du coup. Voilà. C'est ce que je vais vous faire maintenant. Elle a dit de faire commission, non? Je vais faire commission là. Ça fait déjà 1-0. On continue. Tu penses que j'allais te laisser répondre? Même si on dit je suis bête là. Comme est venu Prigogine là, je ne vais pas accepter. Je vais te dire commission et puis je vais attendre réponse. Quand j'ai fini là, c'est comme ça que je vais faire. Je vous dis la commission et puis je coupe. Attends, on a une de nos mères qui est là-haut. On va prendre d'abord nos mères et on va pouvoir progresser. Il y a la reine deux fois, la reine Nafta qui est avec nous ici, Nefertiti. On va lui accorder la parole et après, on va pouvoir continuer avec l'aîné Kone Adama et le cyclone et autres. Bonsoir, chère mère. Oui. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, très bien. Malgré toute la difficulté, pourquoi vous donnez toute cette peine? Vous aurez pu vous reposer? Oui. J'avais déjà envoyé, okay. Mais je pense que vous n'avez pas reçu à temps. Donc, si vous me permettez, je vais le redire alors. Avec un grand plaisir. Alors, bonsoir à toute la classe. Alors, mon texte, il a pour titre « Confidence d'une usurpatrice ». Je vais juste demander une seconde, je vais diminuer la télé parce que je ne m'attendais pas à l'appel. Mmh. Oui. Alors, je disais tout à l'heure, excusez-moi, mon titre c'est « Confidence d'une usurpatrice ». Je suis l'épouse du putschiste. Je suis sa compagne, mais sans fonction. Aucun rôle à jouer.
D'ailleurs, je n'en ai aucune idée. Moreau, avant son putsch, tenait à peu de choses. Faire la cuisine pour la maisonnée et tenir propre mon environnement. Je n'ai jamais vraiment pris part à aucune décision, car mon avis n'a jamais compté. J'avais appris à vivre ainsi. Cependant, depuis cette prise de pouvoir à l'arrache, je me sens honteuse que mon époux ait pris en otage son bienfaiteur d'hier qu'il garde cloîtré entre quatre murs avec son épouse, avec qui j'ai tant partagé, et leur fils qui a grandi avec les miens. Depuis ce mercredi 26 juillet 2023, ma vie a basculé dans l'horreur. C'est comme si j'avais fait table rase de toutes les valeurs morales que m'ont été inculquées par mes propres parents. Mariée à cet homme par la volonté de nos deux familles, chosifiée, humiliée, voilà que nous sommes devenus comme deux parfaits étrangers, l'un et l'autre. Si j'aime ma nouvelle vie, non, je la déteste, car je n'y vois pas une issue heureuse. Mais rien n'est demandé et il me semble que pour une première fois que je dois prendre une décision, ce serait de demander l'asile dans un pays stable pour m'assurer une vie presque normale. Je suis une usurpatrice, ne me jugez pas, car cela m'aurait été imposé. J'ai foi en Allah et mon éducation m'a enseigné la bonté, la reconnaissance et la retenue. Et ce sont toutes ces valeurs que je viens de fouler aux pieds en suivant ce mari lourdeau que je ne vois pas depuis ces va-et-vient dont j'ignorais le but avant de comprendre l'impensable. Je pourrais devenir veuve, que je le prendrais mieux que d'être propulsée dans un monde dont j'ignorais tous les codes, où l'on côtoie sans cesse la mort. Je suis une usurpatrice passive, je ne suis guère fière de moi, en moins de ce temps que je n'ai en réalité jamais connu. D'ailleurs, vivement qu'il se trouve une autre pimbèche pour jouer le rôle mondain qui s'est opposé à ma foi. Je dirais à toutes mes sœurs, femmes de Poutis, que le choix que nous imposons, que nous imposent nos époux, n'est pas facile à assumer ni à se regarder dans une glace. Il vaut mieux vivre heureuse dans la tranquillité, dans le respect des valeurs et lois, que de vivre en exil ou avec une épée Damoclès sur nos vies. Merci, j'en ai fini. Et l'éclairage, je voulais profiter de cette lecture, après cette lecture, de dire deux mots à ce monsieur, je sais tout, monsieur au diplôme ISL, monsieur Nieba. Je ne sais pas s'il réfléchit avant de parler. Tu ne peux même pas tourner la langue sept fois dans ta bouche avant de sortir des instabilités de ta sale gueule. Avec tes excuses à la con, tu dis être passionné de l'Afrique. Mais que fais-tu au Canada? Qu'est-ce que tu as apporté à l'Afrique sinon en Côte d'Ivoire? Rien. Si ce n'est des imbécilités, la manipulation. Aujourd'hui, tu insistes à la révolte. Là, tu as été trop loin. Stop à toi, sale mécréant, menteur, personne versatile, sale caméléon. Tu es un imbécile, un mytho, un idiot, un manipulateur. Tu ne vis pas en Côte d'Ivoire, mais n'oublie pas que tu as ta famille biologique en Côte d'Ivoire. Et étant au Canada, surveille tes arrières. Mytho, méfie-toi, car trop, c'est trop. Et gare à toi, à bon attendeur, salut. Voilà ce que je voulais rajouter après l'édito de Pleureux. Merci de m'avoir écouté. Vraiment, cher mère, c'est moi qui vous dis merci pour cette sortie. En français simple, la maman vient de dire que tu es un caméléon, un kafri, un impie, un mécréant, un pharisien, un despote, un psychopathe de la pire espèce. C'est ce que tu es.
un individu sans foi ni loi, un blasphémateur, un athée, un incroyant. C'est ce que tu es. Un homme qui n'a même pas foi en lui-même, peut-il avoir foi en Dieu? C'est ce que tu es. Quand tu racontes une vie factice de ta propre piètre personne, Nyeba, il est temps qu'on te dise qui tu es. Tu ne vaux même pas les crottes. Caca des chats, là, tu ne vaux pas. Hein? Donc là, il est temps qu'on te dise, là, faut traîner ta merde et ta vie merdique ailleurs. Mais tu ne pourras pas t'asseoir et puis faire sortir tes racines sur les têtes des gens. Et puis, pardon, la con, là, un garçon de ton âge, à 56 ans, là, doit réfléchir avant d'agir. Mais toi, tu agis et tu n'as pas honte. Chaque fois, c'est toi qui es en train de demander pardon. Comme un bougre, affreux individu. Il est temps que tu cesses. On va te dégoûter et dire non, j'ai fini ça, je vais disparaître. Tu ne peux pas disparaître. Il faut rembourser l'argent des soroïstes. Il faut, le boulot que tu ne veux pas faire là, au lieu de leur demander pardon là, il faut rembourser leur argent. Ton pardon là, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, c'est devenu une habitude. Mais ton affaire d'insulter Ouattara là, la prochaine fois, aujourd'hui c'est toi-même j'ai attaqué. Mais la prochaine fois là, j'ai dit je vais enlever le pain de ta maman là. Et puis la mettre dessus en public là. Et puis, tu sais ce qu'on fait. C'est ce que je vais faire. On t'a parlé, si tu es un vrai garçon là, il faut insinuer mon nom dans ta bouche. C'est là que tu vas savoir qu'il y a des plus malades que toi. C'est que quand j'ai ta fait au siège, lors de la réunion du JPDCI là, un petit gars comme ça, mais il a fait fuir ce gros tas de merde que tu es. Tu comprendras. Quant aux femmes de putschistes, c'est bon. Ça va nous permettre, quand on va assassiner leur mari, on va pouvoir les prendre comme deuxième, quatrième, cinquième femme pour violer la loi. Mais toujours est-il qu'on va les jeter quelque part et puis les mettre aux oubliettes. Et donc, quand une femme est incapable d'accompagner l'homme et de le conseiller, ce n'est plus une femme, ça devient une fable. C'est par cela que j'allais terminer. Merci, docteur. Je vous en prie et vous passez une excellente soirée. D'accord, merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Et donc, on va continuer. Comme on l'a dit, dans un souci d'être efficace, ceux qui veulent la parole, on ne va pas aller au-delà de 10 minutes pour être vraiment très efficace. Et donc, on va prendre Kone Adama et après lui, on va prendre le dernier intervenant qui est le cyclone et on va pouvoir progresser. Après, c'est pour aller dire que les gens aiment m'insulter. Mais nous, ça ne nous fait pas honte. Bonsoir, cher frère. Allô? Oui, comment allez-vous? Oui, bon, ça va, et vous-même? Je vais excellemment bien. Et la famille? Oui, ça va très bien, merci. Dieu merci. Que la grâce de Dieu demeure. Amen. Okay. Donc, vous avez la parole. Ok. Merci bien, cher frère éclaireur. Merci à toute la classe. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci spécial au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Merci à tous les partenaires et amis de la Côte d'Ivoire qui œuvrent pour la paix et donc la stabilité de ce pays et même du continent. Cher frère éclaireur, oui, je vais aller très vite. C'est vrai que on a notre devoir aussi d'aider nos frères africains de comprendre un certain nombre de choses. Parce que les gens sont en train de changer, en tout cas, le verbe. On ne va pas en guerre contre le Niger. Non, il faut que les jeunes africains comprennent cela. Pourquoi c'est le Niger et pourquoi pas le Tchad, ou bien pourquoi pas, on va dire la Mauritanie, ou bien même un autre pays. Mais le Niger, on a des preneurs d'otages. On a eu des élections il y a eu deux ans de cela. Ceux qui font le coup d'État aujourd'hui, ils avaient le temps de se présenter comme candidats. Ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, c'est eux qui prennent en otage un président et ils veulent continuer, en fait, les cinq ans que le président Bazoum devrait faire, ils veulent achever. Donc, ils se donnent trois ans. Et ça, c'est dans leur calcul. Mais les jeunes doivent comprendre, que ce soit du Niger ou même les jeunes africains, que les trois ans, en fait, ça, c'est à
c'était indicatif. Sinon, ils vont aller au-delà, personne ne va lever le doigt. La CDAO s'est donné un certain nombre de tests. S'il y a des éléments qu'ils ne veulent pas respecter, d'une manière ou d'une autre, il faudra les faire respecter. Car désormais, être président, il ne faut plus faire d'études, il ne faut plus rien faire, il faut juste simplement s'enrôler dans les armées des différents pays et ça, c'est le raccourci que certains veulent donner comme leçon. C'est pour ça que ce vaurien de Laurent Gbagbo, lui qui était civil, lui qui est civil, il a parlé de dialogue, mais on a dialogué pendant combien de mois? Pourtant, il avait perdu les élections. Il n'a pas voulu reconnaître et le dialogue n'a pas marché, quelle que soit l'intervention venue du pays même ou d'ailleurs. Et c'est lui qui dit aujourd'hui qu'il faut dialoguer. Dialoguer avec un preneur de tâche? Non. Il faut qu'il revoie sa copie. Il est fatigué. Lui-même, il se perd dans les mots. Il faut qu'il aille se reposer. Et donc, je pense que c'est le plus sage des conseils qu'on peut lui donner. Maintenant, il faut que les sanctions soient encore beaucoup plus draconiennes contre ces putschistes. Oui, il faudrait donner l'exemple même à ceux qui rêvent encore de répéter la même chose qu'au Niger ou aux autres pays qui veulent lui donner soutien. Et d'ailleurs, à ce soutien, je vais parler un peu du Mali très, très rapidement. Mali pense qu'ils veulent faire compétition avec la France, mais vous vous trompez. Quand vous dites que vous bloquez, les Air France n'atterrissent pas jusqu'à fin octobre, ce que vous oubliez, c'est que vous n'avez votre aviation là, ça va où? La France, Air France, a son actif dans sa flotte 522 avions, 300 destinations, 120 pays. Vous croyez que c'est en supprimant la ligne du Mali qui va affecter Air France? Mais vous vous trompez. Au contraire, vous mettez en difficulté vos propres ressortissants qui sont obligés de prendre deux fois et donc le temps. Ça fait beaucoup plus d'argent et du temps aussi pour ces gens-là. Et encore, faut-il qu'ils puissent sortir de leur propre pays. Donc, vous voyez comment vous-même, vous mettez en difficulté vos propres ressortissants. En plus, ces mêmes pays, ils se sont mis dans une tontine avec Poutine. Et croyez-moi, les 2 kilos que chaque Malien ou bien Burkinabé recevra correspondra sans doute probablement aux 2 kilos d'or que chacun devra rembourser par 2 kilos de céréales. Donc vous comprenez, chers frères africains, il faudrait qu'on vous explique tout ça. Sinon, de dehors, vous ne comprenez pas. Voyez un peu, ça c'est malheureux pour l'Afrique. Et cette nouvelle colonisation, ce nouveau colon que vous voulez imposer à toute l'Afrique, ça ne passera pas. Il faut qu'on vous explique que vous n'êtes pas ami à Poutine. Poutine ne cherche pas des amitiés. Il a ses intérêts qu'il essaie de chercher à défendre. Poutine, lui, si c'est les armes, oui. Et ça, ce n'est pas cadeau. Ne pensez pas que c'est cadeau. Il ne vous enverra rien de cadeau. Sachez que dans cette vie-là, il n'y a pas de cadeau. Poutine ne vous fera pas de cadeau. Donc ça, c'est ce que je voulais dire à ses voisins et ses poutistes qui sont un peu plus loin au nord de notre pays. Maintenant, très rapidement pour les élections municipales et régionales. Mais vous voyez, on a bien vu en France ici, Rachel Keke, qui est née à Bobo et qui est venue même en France il n'y a pas trop longtemps, hein, c'est à l'issue des événements qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 99 qu'elle est venue en France. Elle est députée à l'Assemblée nationale française. Ouais, mais ça n'aimait pas nos vieillards, surtout celui même de Dieu m'a dit, qui m'a fait office que notre champion, notre Mbappé, en la personne de Touré Mamadou, ne serait pas de Daloa. Mais vraiment, tu es fatigué. Pardon, laisse la place aux jeunes. Les jeunes, eux, ils sont dynamiques. Touré Mamadou, il est assez dynamique. Vous voyez comment on est en train de donner les possibilités aux jeunes. L'agence emploi jeune qui vont travailler et donc qui vont contribuer à ce que la vie soit moins chère. Et d'ailleurs, pour cette cherté de la vie, je vais atterrir sur Katina qui dit que ce pont a coûté 80 milliards et que ça ne sert pas à grand chose. Comment tu réfléchis? Comment tu cogites? C'est un certain nombre de thèmes. Ce pont-là, mais oui, l'argent que on a investi dedans, d'abord,
ça a permis à un certain grand nombre d'Ivoiriens d'avoir de l'emploi pendant la période de construction. Ça, c'est bien. Mais demandez aux chauffeurs de taxi et autres combien de fois ça a raccourci le chemin. Et donc, ça fait économie en carburant. Donc, économique, et sur le plan écologique, ça fait moins de carbone rejeté. Maintenant, à chaque passager qui, ma foi, vont au travail, au plateau, ou même en Trècheville et les autres communes en passant par ce pont. Mais ça fait un gain pour chaque personne, pratiquement 1000 francs, 500 francs aller et 500 francs retour. Vous voyez, ça augmente le pouvoir d'achat de tous nos concitoyens qui doivent emprunter ce pont-là pour aller travailler dans les autres communes hors de Cocody en passant par ce pont. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment encore que vous revoyez vos copies d'économistes, sinon l'économie en lui-même, je pense que c'est pour faire, c'est la gestion même des ressources rares. Mais c'est ce que nous, notre président, fait. Hein. Il sait que déjà, pour pouvoir, on va dire, pour que on ait économiquement, on soit stable, mais ça passe par la route. Et la route, pour qu'on soit développé d'ailleurs, pardon, ça passe par la route. Et c'est ce que le président il est en train de faire. Donc, vous n'avez pas pu faire. Vous ne pouvez pas donner de bilan. Et donc, c'est normal aussi que vous soyez offusqué. Mais ne dites pas à nos concitoyens que ça n'a pas servi. Surtout ceux qui empruntent ce pont-là, la plupart. Et d'ailleurs, la beauté fait qu'il y a un tourisme intérieur qui se développe. Mais vous ne savez pas que le tourisme, là, ça génère de l'argent. Donc, vraiment, c'est dommage. Je crois que pour dire que les gens ont faim, je crois qu'il est mieux pour toi d'aller aussi, en tant que cadre de Katiola, me semble-t-il, je crois que tu es de Katiola, tu peux aller aider aussi nos parents qui sont là-bas en achetant un certain nombre de matériel agricole et autres d'élevage pour pouvoir leur faciliter la tâche et donc réduire la pauvreté et donc pour qu'un certain nombre de personnes n'aient pas faim. Donc, l'éclaireur, je vais m'arrêter là. Voilà, puisqu'il y a des gens qui attendent. Il n'y a pas de vraiment, problème. Vraiment, je reste à l'écoute. Bonne soirée à tous. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci de cette efficacité. Merci pour les bonnes propositions que vous avez eu à faire. Nous vous souhaitons une excellente soirée et bien des choses à vous et à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Bonsoir, cher frère. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Dieu merci. Et la journée? Oui, ça va. Grâce à Dieu, tout va très bien. Dieu merci. Ah, ok. Donc, vous avez la parole. Ok, cher frère, merci pour l'occasion que tu me donnes. Je dis bonsoir au Chao et au Mao. Et on les remercie pour les bénédictions et les conseils que elle nous donne toujours pour nous accompagner. Chers frères, j'ai écouté la vidéo d'un Vaurien. Ça m'a réjoui parce que ça va me servir d'argument sur d'autres panels avec certains gars pour la contradiction. Ce Vaurien-là qui essaie de justifier comme ça le coup d'État depuis un bon moment qui se passe en Afrique. Pourquoi ça me réjouit? C'est que le monsieur même vient de encore bénir la voix. Parce que s'il a trouvé des prétextes pour justifier le coup d'État, alors qu'il savait très bien comment le peuple dont il était garant de la quiétude, le développement et un programme pour un lendemain meilleur, comment d'autres personnes étaient victimes dans son pays. Donc, avec les propos qu'il tient pour justifier le coup d'État au Mali, au Niger, au Burkina et tout, alors, ça me réjouit parce que le coup d'État, il vient de justifier que aussi c'était la rébellion en Côte d'Ivoire, il vient de justifier aussi que c'était une bonne cause, c'était une cause noble.
Maintenant, ce qui m'offusque, et ça m'écoeure même si je peux dire, c'est de voir qu'il y a ces politiciens-là, parce que je ne vais pas les appeler des hommes politiques, mais ces politiciens-là ont pu se faire une place sur la scène politique au nom d'une démocratie. Et on a trouvé ces oiseaux de malheur-là sur la scène politique. Depuis l'entrée de ce monsieur sur la scène politique, il a bâclé l'éducation nationale, qui est l'un des piliers même pour une nation qui a une vision et un objectif à atteindre. Parce qu'il s'agit de la jeunesse. Il s'agit de ceux qui vont prendre le relais de ce défi, de cette mondialisation-là. Mais ce vaurien-là s'est servi des syndicats enseignants pour bâcler l'éducation. Et puis, lorsqu'il est venu au pouvoir, alors il a amplifié ça encore. Depuis l'école primaire, où on nous a fait sortir, innocents et ignorants que nous étions, pour insulter un monsieur qui était le père de la nation. Et après, on a vu son passage au pouvoir, l'enseignement a pris un coup, jusqu'à atteindre même le temple du savoir qui était l'université, où on retrouvait des charniers, où on retrouvait des barbares, où on retrouvait des milices. Et aujourd'hui, celui-là, on vient s'exprimer sur des actions qui ne sont même pas constitutionnelles. Et lui qui devrait être un exemple en tant qu'ex-président, celui-là, a enseigné les valeurs des institutions. Comme Obama l'a dit, on n'a pas besoin d'hommes forts en Afrique, mais on a besoin d'institutions. Mais même si on sait que ces institutions-là ne peuvent pas avoir de la valeur parce que c'est des hommes qui gèrent ces institutions-là, c'était une manière d'interpeller tous ceux qui étaient des acteurs politiques et hommes influents à devenir des patriotes, à connaître leurs droits et devoirs et à se soumettre à ce qu'on met en place comme système pour la conduite d'une nation. Mais le monsieur vient bâcler tout ça pour nous montrer qu'il n'a jamais fait partie de ces personnes-là qui ont l'amour d'une nation tout en respectant ses institutions, même quand on a été ex-président. Chers frères, ça fait peur pour l'Afrique. Comment on peut venir justifier des soldats qui ont la charge de garder un président? Que c'est ceux-là même qui prennent un président qui représente une nation. Que c'est ceux-là qui prennent un président en otage. Et lui, en tant qu'ex-président, lui, en tant que membre de la CEDEAO, parce qu'il a fait partie à un moment de ce groupe-là, des dirigeants. Et entendre ce monsieur-là parler de la CEDEAO, entendre ce monsieur-là justifier les coups d'État, je me demande, chers frères, quel est l'avenir de l'Afrique si on doit se retrouver avec des politiciens comme ça. Et on voit l'agissement de ces fioles. Quelqu'un aujourd'hui, on nomme en tant que cadre d'un parti. Mais quelle est son histoire? Quel est son passé? Celui-là même qui a déchiré les résultats. Ce qui a été le départ d'un conflit qui a provoqué 3 000 morts.
il devient un haut cadre dans ce parti-là. Une manière de le remercier. On a connu un dans le temps qui est encore son fils spirituel, aujourd'hui qui a sa main dans tout ce qui est conflit et déstabilisation en Afrique de l'Ouest. Et c'est cela qu'on appelle homme politique. Et ceux-là aussi veulent se mettre dans cette nouvelle génération à vouloir diriger un pays. On a connu un qui n'a... mais qui se reconnaît bien dans les désordres et qui se réjouit encore dans ces désordres-là, que de poursuivre ses études est revenu galvaniser une jeunesse, arrêter de manger, courir, arrêter de marcher, courir. Sortez de chez vous, allez occuper les deux ponts, couchez-vous devant les chats. Et quand c'était chaud, il est sorti pour laisser ses enfants-là dans la rue. Et c'est ceux-là qui veulent se faire passer pour la nouvelle classe politique. C'est nous, la nouvelle génération. Les vieux n'ont qu'à partir. Il doit y avoir une nouvelle génération. Et ceux-là aussi auront une place sur la scène politique. Avec quelle valeur, avec quel enseignement, avec quel principe? Des opportunistes qui pensent qu'à les petites personnes, dès que l'occasion se présente, qu'il y ait 1000 mots à gauche, 1000 mots à droite, tant qu'eux peuvent profiter pour se faire une place au soleil, alors c'est bon. Et à partir de là, on trouve des souleveurs de carton avec une tête de chien. Et qui se fait passer pour un intellectuel. Et qui se fait passer pour un sachant. Chers frères, ce n'est pas pour insulter les gens qui ont des déformations, victimes de maladies, mais parfois, le comportement de l'homme aussi va avec sa morphologie. Parce que quand tu regardes quelqu'un qui a tête de Rottweiler, le chien le plus agressif, le plus barbare, il ne faut pas s'étonner de la réaction de ce vieux qui se retrouve au Canada en train de soulever les cartons, un toxico, malheureusement une jeunesse qui a été abrutie par le passage d'un vaurien, un lapin, sexuellement parlant, qui n'a pas trouvé mieux à faire si ce n'est pas sorti avec la femme de ses collaborateurs et même avec les enfants de ses collaborateurs. Qu'est-ce qu'on devrait attendre de ceux-là? Et c'est ce même groupe-là qui se reconnaissent en ce vaurien-là. Et leur comportement les rattrape toujours. Ce que tu as appris, c'est ce que tu vas appliquer. Et ça se voit aujourd'hui. Et tous ces déchets-là, on doit faire avec eux. Des gens qui vont venir, non, mange pas goudron. Mais qui l'a dit ça aux femmes qui quittaient un moment avec les chargements de bananes, qui faisaient des jours sur la route pour pouvoir atteindre Abidjan. Mais en arrivant à Abidjan, elles étaient obligées de vendre leurs marchandises à peine parce que les bananes étaient presque pourries. Mais aujourd'hui, ces personnes-là peuvent quitter, quelles que soient les distances, au nord pour rejoindre le sud, le même jour, vendre leurs marchandises à des bons prix et se retourner pour aller auprès de leurs enfants. Qu'il ait dit à ce genre de personnes-là que non, on ne mange pas la route. Et ces personnes-là vont les rappeler quel calvaire est traversé hier, que ce soit les frais de route, que ce soit les raquettages sur la route. Qu'ils aient dit ça à ces personnes-là et on veut entendre qu'est-ce que ces personnes-là vont leur donner comme réponse. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas aller sur le terrain intellectuel pour combattre le monsieur. Parce que même quand ils vont sur ce terrain intellectuel-là, ils vont nous proposer quoi? Il faut rajouter 10 francs sur les boîtes de sardines. Il faut vendre Nyomi pour pouvoir financer des ponts. Ils se ridiculisent. Mais là où ils se sentent à l'aise,
C'est que c'est dans le désordre. Et en ce moment, ils ont des raisonnements pour galvaniser une jeunesse innocente. Et c'est à ça on assiste. Chers frères, avec cela, on ne peut pas s'arrêter. Je vais, par contre, abréger là pour permettre aux autres de pouvoir intervenir. Merci pour tout ce que tu fais. Merci à tous ceux qui partagent et qui likent pour sécuriser le live. Allô? Donc, chers frères, je vais m'arrêter là pour permettre aux autres de pouvoir intervenir. Vraiment, merci infiniment pour cette grande leçon de sagesse. Parler est facile, mais une fois mis à l'épreuve de vos propres propos, quand ces mêmes propos vous rattrapent, c'est la chose la plus difficile à supporter. Malheureusement, il sera ainsi de la vie de ces personnes-là qui pensent que la vie, c'est tout ce qui les arrange et le reste, tant pis. Mais Dieu merci que la vie ne fonctionne pas comme ça. Il y a des hommes dignes qui resteront et qui se battront pour l'égalité et la justice. Soyons de ces hommes-là, c'est ce qui va donner un mérite à notre existence. Vraiment, merci pour ces conseils. Merci pour ces paroles. On espère bien que ces personnes vont en prendre de la graine et pouvoir progresser un jour dans leur existence et surtout arrêter de tromper leurs propres militants et de se mentir à eux-mêmes. C'est ce que j'allais ajouter. On va donc passer à une autre personne qui est le B52. Bonsoir, cher année B52. Oui. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, mon frère. Ouais. Dieu, bonsoir, merci. Bonsoir à tout le monde. Oui. Ok. Tu as vu, les cérébraux là sont venus. Ils ont voulu me proposer de l'argent devant tout le monde pour t'insulter. J'ai dit jamais de la vie. Mon frère, il faut laisser les cérébraux là. Pourquoi tu n'as pas mis trop bien de piment dans la sauce de gnagna qu'on appelle Nyeba là? Il y a un petit truc qui a manqué. Mais il faudra voir que tu fasses encore, tu reprends encore la même sauce là, tu ajoutes un peu de piment seulement. Okay. Et puis moi, je serai OK. C'est la femme, c'est une foule là qui a gâté. C'est la femme, c'est une foule là qui a gâté. Mais si les garçons, ils n'ont qu'à réagir. Cher aîné, là même là, c'est sauce de piment avec pâte, je vais faire en même temps. Je dis, il fallait que tu pètes tout juste un peu de piment là. Et puis moi, j'allais te rassasier. Ce fourrier là, il va fuir. Et il est comme ça, c'est un lâche. C'est un manipulateur, c'est un mytho. C'est Nyeba là. Ce vieux connard là. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Salut Maclé Bamba. Bonsoir à tous nos grands soeurs, Masiata, Fjenakora, Mininya, tout le monde. Mettez la méthode, la guerre. Là, je mettais la méthode. Je vais envoyer méthode. Je vais laisser ma petite soeur, Marocine, se manier. Pour ne pas que les sorciers là, vont la blesser là-bas. Mettez la méthode là. Celui qui s'en va là. Elle est mis sur le sol air là. Peut-être que lui va réussir. Ils vont voir le... S'il ne revient pas, moi. Mettez la méthode. Si d'aventure il ne revenait pas, on est sûr de retrouver les armements pour continuer la lutte. Non, mais je te dis. Oh, mettez la méthode. Quand lui va partir là, elles vont attendre le bruit du décollage là. Elles vont se rallier. Bonsoir la mère Kiki, la mère Nefertiti, mon frère Soris Anogo, Alexandre Aoussou, toute la classe, Bamba Fatiga, tout le monde sur le live. Pierre Kourou, tout le monde, Abbé Cyclone, le roi du printemps. J'ai dit bonsoir à tout le monde. Mais ce Nyeba là, il faut qu'on va l'allumer jusqu'à dans son dernier retranchement. Il m'a bloqué, je ne sais pas quelle est la page qu'il utilise actuellement, il a tellement de pages maintenant que je cherche sa page là. Il se fait pour l'appeler ou envoyer un message. Isaac Nguessan l'Empereur. Ah, Nyeba... c'est Isaac Nguessan l'Empereur, non? Non, Nyeba Isaac Nguessan l'Empereur. Ah, c'est ça qui est sa page maintenant. Oui, oui. Après, je vais vous envoyer le lien d'une vidéo et vous pourrez avoir accès à sa page. S'il ne vous a pas bloqué. Ok. Oui, oui. Oh, ok, d'accord. Parce que je le cherche, il a tellement de pages que je ne sais même plus, je cherche, je ne vois pas. Personne ne va accepter ses excuses. Ce vieux connard là, ce vieux con là, ce vieux pervers là. Je vous ai dit, ouais, que quand quelqu'un se cache, à partir du moment que quelqu'un parle de la politique, et puis il se cache derrière
Vous ne voyez pas le chapeau d'un juif qu'il met sur sa nuque là? La kippa, oui. Depuis quand lui il a été juif? Mais quand il veut escroquer les gens, il se transforme subitement en des hommes religieux. À un moment, tu le vois en Israël, il prend photo, il est parti prier, je ne sais pas qui. Voilà un gars comme ça là. Il est instable mentalement, moralement. Bon, non, celui-là aussi souffre. Hein. Celle qui vit avec celui-là va dire que j'ai eu Marie. Vraiment. Il n'a aucune moralité. Mais comment quelqu'un même qui dit que lui il est parti à l'université, comme tu le disais mon frère, qui veut s'afficher sur les réseaux sociaux, que je suis payé à 19 dollars l'heure, je me suffis. Et puis pour lui, la première réussite là, mais toi, Nyeba Gessa, c'est toi qui te glorifies que oui, j'ai le passeport canadien. Vous voyez la mentalité de ceux qui veulent diriger la Côte d'Ivoire de demain? Nyeba Gessa aussi, quand tu vas lui demander, il dira ouais, que lui, il est capable de diriger la Côte d'Ivoire. Il a la capacité intellectuelle, il en a la capacité morale. Mais des gens qui pensent ouais, qu'arriver quelque part en Occident, c'est déjà une réussite. Nyeba Gessa est en train de se pavaner. Il préfère se cloîtrer dans les températures à moins 90 degrés, souffrir comme un lapin dans un sous-sol quelque part là-bas, et puis se mettre à insulter les gens. Tu sais, Jacob, toi-même, tu dis que tu es la nationalité. Et les enfants qui sont nés ici, aux États-Unis, au Canada, sur le plan constitutionnel, là, on ne peut plus les arracher les nationalités. Mais toi, tu as été naturalisé. Il suffit que tu commettes des erreurs. On peut t'arracher cette nationalité-là, mais est-ce que tu auras le courage de dire quand tu as voyé en Côte d'Ivoire, tu n'auras pas les couilles comme Nathalie Yam, qui a choisi son pays d'adoption, que de partir dans son pays d'origine camerounais. Voilà, Nyeba, tout le monde n'a qu'à grouper sur Nyeba. Depuis que ce cas-là est apparu sur les réseaux sociaux, j'ai toujours dit que c'est un faux type. Bon, Nyeba, je vais te rappeler un fait. Tu as félicité une fois Yassine Gadiba, non? Que parce que lui, il dit qu'il ne va pas envoyer des soldats togolais au front dans l'armée de la CEDEAO. Mais voilà pourquoi je dis que tu es malhonnête. Mais c'est même fois Yassine Gadiba qui est en train de te féliciter là. Lui-même là, son propre petit frère de sang, Pacha Yadema. Il a soupçonné son demi-frère de vouloir faire coup d'État. Il n'a pas emprisonné. À 20 ans d'emprisonnement, Nyeba, ce n'est pas pour ce même problème de coup d'État là que Foy Yassingbe a emprisonné son propre petit frère, son propre frère. Jusqu'à présent, il vient des soins du Gabon. Il l'escorte militairement pour aller le soigner et il l'escorte encore militairement pour le faire rentrer au Togo pour le mettre en prison. C'est l'ordre constitutionnel. Faut y assumer que tu veux prendre comme exemple. Ce petit frère n'est pas en prison. Misère morale que tu sois. Et ils sont nombreux comme ça. Pourquoi tu n'as pas dit ça aux gens? Pourquoi tu n'as pas dit que Yassimbe a mis son frère, son propre frère en prison? Et c'est toi qui viens de gueuler matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, comme que quoi, si le Oufoué vivait, il n'allait jamais envoyer les soldats au front. Et qui t'a dit ouais, que c'est la Côte d'Ivoire qui va faire la guerre contre le Niger? Pourquoi vous ne dites pas que les deux bouchistes qui ont... Mais si ton propre garde-corps là ne peut pas assurer ta sécurité, qui va assurer ta sécurité? Hein, Nyeba? Si tes propres garde-corps ne peuvent pas assurer ta sécurité, si c'est tes propres garde-corps qui doivent te prendre en otage, parce que tout simplement, tu as demandé à un de ces vauriens là, le général Couchis là, est-ce que lui peut courir encore 6 km? Il peut assurer encore véritablement la sécurité de M. Bazoum? Et qu'est-ce que M. Bazoum a fait de mauvais? Tellement que tu es incohérent. Nyeba, mais on va te purger. On va tellement te purger
de là où tu te trouves, même si tu n'écoutes plus les réseaux sociaux, mais tu vas te cacher, même si tu marches dans les rues. Parce qu'on va prendre ta photo, on va te montrer à tous les Africains, à toute la diaspora canadienne, américaine, européenne, que toi là, toi Nyeba, tu es un misère moral. Toi Nyeba, tu es un incompétent. Toi Nyeba, tu es un immoral. Nyeba, mais est-ce qu'au Canada où toi tu vis là, si l'ordre constitutionnel et l'ordre institutionnel n'étaient pas établis, tu allais résider au Canada? Mais s'il y a un désordre moral dans votre crâne, nous, on va remettre ça en place. Ce n'est pas qu'on finit, hein? Chaque jour que Dieu va faire, vaut rien. Et puis, tu as le culot de dire que Walter Nata a donné 100 millions à chaque soldat avant d'aller au front. Ça en va ou n'y va? Au Canada où tu es là, quand les soldats canadiens sont affectés pour aller établir l'ordre quelque part, ils demandent d'abord 100 millions chacun à leur gouvernement avant de partir en mission. Avec ça, vous dites ouais, que vous avez les diplômes, que vous êtes des intellectuels. Moralement, là, toi, là, tu as un problème. Moralement, toi, Nyeba, là, on doit t'enseigner. On va remettre ça en place. Et on va continuer à t'enseigner. Et je sais que tu ne vas plus rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu te 1, 2, 3, je m'en fous, j'ai mon passeport canadien. C'est pas fini, hein? Tu as un problème. Et regardez-moi, ça y est, ça s'est dit intellectuel. Si tu es vraiment un intellectuel, si tu as vraiment des diplômes, fais comme les enfants asiatiques. Ton diplôme là, rentre dans ton pays d'origine, ce que tu as enseigné ici là, va enseigner ça à la nouvelle génération. Et là, on aura encore des Ivoiriens dans le futur qui vont défier les autres nations, comme la nation asiatique aujourd'hui défie les États-Unis, le Canada et l'Europe. Minable. Non, mon frère, vraiment, tu as fait ça sauce aujourd'hui là, je te jure que j'étais tellement content, tu ne peux pas comprendre. Il faut aller encore derrière lui. Ce n'est que le début. On va faire un Nyeba show et partager la vidéo. Il faut faire encore son show. On va faire le... C'est pas Nyeba, on va mettre Nyanya show. Nyeba, Nyesa, Nyanya show. On va mettre piment, on va mettre polo. On va mettre encore... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a encore. Crap. On va mettre tout. Viande et de puis brousse. On va préparer la sauce là. Viande de on brousse. Va l'expédier. On va le télécharger ça. Vaut rien. Un vieux con comme ça, il a su dans les températures. Mais tu penses que qui est heureux pour aller vivre au Canada? Nyeba, moi qui remplis ma mère de diamants là, je ne vais pas. Où tu es là, au Québec là? Moi, je ne vais pas là-bas. Vaut rien. Tu es assis dans le froid là-bas. Est-ce que tu fonctionnes à toi-même? Tu ne bandes même plus. Mais si tu as des problèmes d'érection, il faut venir, on va te purger avec des gnagnas. Là, tu auras encore un peu, des appétits sexuels. Parce que quand souvent tu en as privé, tu as des perturbations mentales. C'est ce qui est en train de t'arriver. Ton comportement ou bien coco que tu as là, il faut venir. Parce que le froid est en train de tout congérer dans ton anus. Excusez-moi des moments. Un connard comme ça là. Mon frère, je n'ai pas abusé du temps, mais vraiment, je te dis ouais, que quand tu as fait le show de Nyeba là, j'étais trop content. Nyeba, je suis ici, hein, je suis aux États-Unis, je suis à quelques kilomètres de toi. Si tu veux, je vais rentrer dans ton inbox. On vient de me donner maintenant ta page officielle. Je vais t'envoyer mon numéro. Et si tu as les couilles, appelle-moi. Patraté. Connard. Toi, tu es payé à 19 dollars l'heure. Et puis, tu es content. C'est, cher aîné, il faut signaler que 19 dollars canadiens, c'est divisé par 2, ce qui fait pratiquement, disons, prenons 10 dollars l'heure, et donc ce qui fait 5 000 francs par heure. Et puis avec ça, lui, il est heureux. Hein? Il est très heureux, 5 000 francs CFA par heure. Il est très heureux. Et regardez-moi ça. Je suis payé à 19 dollars l'heure canadien. Le chauffeur de Uber aux États-Unis, ici, là. Tu sais combien il gagne par heure? Un simple chauffeur de UPS ici, ceux qui conduisent les vannes, n'ont pas les trocs, hein? Ils sont payés à partir de 35 dollars l'heure, actuellement. Quand tu prends du 9 dollars et puis tu as des diplômes universitaires et puis tu te vends tout ça, tu manges bien. Qui mange bien même aux États-Unis ici? Au Canada là-bas, là, sinon on ne mange pas bien, c'est pas toi au Canada qui va bien manger?
vieux con. On va te soigner parce que tu es devenu impuissant. Mon frère, je te laisse. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Ce n'est que le début. Ok, mon frère. Mais c'est un signal à tous ceux qui s'amusent à insulter le président Ouattara. Vous pouvez insulter éclaireur, je m'en tape. Mais le président Ouattara, là, vous l'insultez là. En tout cas, on va aller où on doit aller. Ce n'est que le début. Et si le spécimen de Nyeba... On va encore derrière lui. S'il est vraiment garçon, on insulte son dos. On va encore derrière lui. Il n'y a pas de problème. La guerre est déclarée. Et ce nom a ouvert les hostilités. On espère qu'il sera à la hauteur pour riposter. Ça nous fera plaisir. Ok. D'accord, pas de problème, mon frère. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. À toi, pareil. Je vous en prie. Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Bonsoir, éclairé pour vérité. Comment ça va, la puissance? Alhamdoulilah, ça va. Et chez vous? Ah, voilà le terrain là, c'est pour toi, il faut gérer. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. On va se regarder, il tient encore. Toujours. Il s'est lombé. C'est comme ça. Quand les impolis se font annoncer, voilà, on doit les piper pour leur montrer que là, correction là, c'est bon de nos côtés. Et là, nous, on voit clair, même très clair. Eh, Nyeba, ton bobo Douma là, on va faire sortir parce que, excusez-moi, tout le monde, les mains, bonsoir, les chao. Bonsoir à toute la classe et bonsoir à tous les Ivoiriens. Je dis bonsoir au président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara. Le chef des chefs, le derby des derbys, à moins de rien de temps, il a déposé ça devant tout le monde. Ça a créé les visseries. Et voilà. Dieu dit, aïe, c'est bégué. Nika, c'est bégué pendant Dieu. Dieu, c'est pourquoi il a fait ça. C'est la baraka et la puissance. Sans limite, il va donner. Et les monde entier ont témoigné. C'est ça, papa, nous. Eh, Niba. Il a même un gros fofro. Batara, mon gros, et les, comment dire, genre, mais il était venu te dire bonsoir. Tu as un groupe d'enfants, il prévient la vie. Mais en réalité, on va s'excuser auprès des chiens. Parce qu'ils sont utiles. Ils sont reconnaissants. Et ils sont fidèles. Ouais, c'est ça. Mais c'est un exemple que vous avez pris. On a bien compris. Nyeba, chien est mieux que toi. C'est ce que ça veut dire. Ikamewa. Si il te dit, on va sortir ton bobo du moins ce soir-là. Parce que l'éclairant t'a dit, près de 4 jours, on t'envoie les directs et t'écoutes. Tu sais que t'es limé partout sur le réseau, tu sais. Et tu n'es pas venu répondre à cette invitation. Ça veut dire que tu n'es pas garçon. C'est ce qu'éclairé a dit. Donc maintenant, là, tu es femme. Excusez-moi, les mao. Il est pédé, il n'est pas femme. Hein. C'est... Il est poisson, il n'est pas femme. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est le vrai mot. Tu es poisson. Poisson même, on a besoin de poisson pour manger, mais poisson même bon. Il est tapette. Voilà, tapette les égouts des Mali. tapette dit, mais tout, son secondo. Et bien, voilà ce que tu es. Mais il faut attendre. Ça vient, ça va venir. Et ça va venir dans tous les côtés. J'ai dit merci au président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, digne ivoirien, premier citoyen, papa de tout le monde. Qui soigne tout le monde, qui prend soin de tout le monde, même les aigris, les grigous, comme les babous, ils ont tout fait, ils ont même, parce que tu fais tout, tu es l'homme, vraiment c'est le dernier derby, Babou a tout fait, mais voilà Babou, entraîné, pas flotter Abidjan, il n'a rien à dire, quand il le voit, il fait pitié. C'est lui là qu'on disait Babou de Yoko. Il y a des gens qui disent que c'est un dangato. Ça veut dire quoi, un dangato? Ça veut dire quoi? Dangato, ça veut dire qu'un enfant maudit, perdu, désespéré, prisonnier en bilan, créateur de Chané, c'est un dangato, dangadé. Et voilà le nom de Babou. Quand on voit Babou sort devant les Ivoiriens, devant les Africains, venez faire ces ailes de discours. Dieu merci. La Côte d'Ivoire est gérée par les Ivoiriens. Papa est Maraca. Bande de Maraca que tu es, Babou.
qui n'est pas pitié et qui a assassiné. Babo, tu fais pitié. Et c'est la honte. Babo, nous, on va te dire en face. Tous les femmes, tous ceux qui aiment Babo, tous ceux qui soutiennent Babo, et tous ceux qui se disent qu'on, pour les pro Babo, là, je m'adresse à vous. Babo, là, sa vie a anéanti. Personne ne l'a fait, c'est lui-même. Babo, là. Et ils ont tout dit. Ils ont tout fait. Mais la vérité a triomphé. Dans l'état de Babo, est-ce qu'il y a un opposant qui pourrait envoyer un chef de télé pour venir s'asseoir pour faire rire les gens? Non. Dans l'état de Babo, ça n'a pas existé. Est-ce qu'on pourrait faire des meetings? Non. Ça n'a pas existé. Est-ce qu'on pourrait se réunir? Non. Ça n'a pas existé. Cher Bran, là où je vous parle, une fois qu'ils sont en train de parler, ce qu'ils sont en train de dire actuellement, ça m'a fait ramener derrière. Je vois beaucoup de personnes devant moi qui ont perdu leur vie pour rien du tout et ils n'ont rien fait. Ce n'étaient pas des Ivoiriens, c'était des Ivoiriens. Babo, quand tu dis à les Ivoiriens que toi tu as travaillé où? Tu as réalisé quel service à la nation? Et Babo, qui t'a enseigné? Mais je vais te dire, ce que tu as enseigné, que la Côte d'Ivoire est témoin, les Ivoiriens sont témoins, les Africains sont témoins, même le monde entier est témoin. C'est Guillaume Soro, Bilé Goudé et Simone Babo, des consorts, des tueurs à gaz. Voilà ce que Babo, le travail que tu as fait. Et voilà ce que tu as enseigné. Si c'est terrain-là, il ne faut pas partir. Hein. En tout cas, je ne t'aime pas. Franchement, je ne t'aime pas. Voilà, Bilé Babo, moi, je ne t'aime pas. Mais ce conseil, je vais te donner. C'est toi qui nous as fait sortir pour dire où vous voulez. Où vous avez volé la rente de qui? Il avait détourné quel pays? Est-ce qu'il n'a pas construit la Côte d'Ivoire à son temps? Je dis bien oui, ou faut il a fait. Mais Babo, toi tu as manipulé les gens. Ces jours-là, ils sont allés nous trouver au garage. À Dar es Salaam, Père Lapin, Timothée Péao, garage Traoré Youssouf, rénovateur. J'ai été formé là-bas, propre. Ils sont allés nous appeler. Ils ont payé à loco pour nous, à loco. Et à la démissionnaire et banaye. C'est pourquoi vous les jeunes africains. 100 francs. Caracoro. C'est juste, voilà, c'était Caracoro, ils ont payé pour nous. Bien pimenté. On était contents. Si c'est toi, ça ne vaut même pas 50 francs. On nous a dit de crier ou faut voler. On a fait. Que son âme repose en paix. Grand-père, ou faut Boigny, premier président de Côte d'Ivoire, qui a travaillé. Il a fait un paix. Ces traces sont là. Ce qu'il a construit pour les Ivoiriens, c'est là. On peut dire que c'est Oufoui qui a fait ça. On dit que Babo a fait quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Nous, les Ivoiriens, nous sommes devenus intelligents avec l'arrivée du président de la République. Il a démontré à les débats les Africains et nous, les Ivoiriens, qu'on ne doit pas s'entretuer ou politique. On doit lutter pour nos propres intérêts. Il a démontré en faisant les routes. Métro bientôt. Qui va dire que métro là, c'est petit l'argent. C'est des milliers de milliards. Mais le président de la République, il va, s'il va monter dedans pour bien ouvrir là, c'est plaisir. Hein. Sinon, billet, il va le faire quoi là-bas. C'est nous, on est étonnés. Lui, c'est l'autre level. Ivoirien, Africain, comprenez. C'est fort que nous, on doit protéger ça. Quand Babo dit, lui, il a travaillé, il a formé, tu as travaillé où? En tant qu'Ivoirien, je vous pose ces questions, Babo. Je te pose ces questions. Il faut nous répondre. Tu ne peux pas tromper la jeune génération. Parce que le travail les appelle. Et il y a des solutions qui sont créées pour eux. Il est temps de leur dire la vérité. Parce que pour toi, il est détruit. Côte d'Ivoire, c'est pour la jeunesse. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire est jolie là.
C'est pour les villes sont occupées. Babo, président de la République, il a travaillé au Fonds monétaire international, BCAO. Il est tout. Et puis tous les présidents du Morocco vers lui. Babo, qui sont tes amis? Qui te fréquente? Didi Bazoum, c'est ton ami. Il est un manipulateur, un fourrier, un menteur. Il peut être ton ami, mais il peut ne pas avoir le même caractère. Il n'a pas le même comportement que toi. Il n'a pas assassiné la population du Niger. On n'a jamais entendu, en son temps, le Niger est sécurisé et protégé. C'est manipulation, chers frères. Ça ne passe pas. C'est ce que nous, on vous dit. Nous, les Ivoiriens, on voit clair maintenant. Papa, allô? Lui, Kachirion. Malgré le travail, tu ne vois pas? Babo. Chaque année, il vient s'arrêter avec son petit bloc d'hôtes. Il commence à nous faire bilan. J'ai fait ça. Parce que c'est votre argent. Donc, il doit vous dire où c'est rentré, où c'est sorti, combien on a dépensé, il y a combien dans la caisse. C'est Papa Ado qui fait ça. Babo. Toi, tu dis que tu as montré tes comptes aux gens. Ils n'ont qu'à les regarder, tu n'as pas l'argent. C'est ce que tu as dit en tant que président. Où sont partis nos jetons? Parce que tu n'as rien créé pour la population. Surtout nous, les jeunes. Qui a détruit nos vies et assassiné beaucoup de nos parents. Bande de l'enfant de Porota, un poison. Voilà ce que tu es. Tu as dit qu'on n'a qu'à dire au fond au boulet. On l'a dit. Et aujourd'hui, on s'en rend compte qu'on était manipulé. On nous a menti. On a vu qu'au fond, a travaillé. Quand tu es arrivé, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Attends, tu ne veux pas qu'on parle. Tu viens t'asseoir devant les Africains. Devant les Ivoiriens, où tout le monde t'a. Tout le monde t'es devenu dégoûtant. On ne veut même pas te voir. Parce que tu nous fais rappeler des mauvais souvenirs. D'abord, tu n'as rien fait. Et tu ne pouvais rien faire. Pas parce que tu ne voulais pas faire. Tu voulais faire, mais parce que tu ne pouvais pas faire. Tu n'as pas étudié, tu n'es pas intelligent, on ne te connaît pas, tu ne connais pas. On ne peut pas confier la nation de. La vie de toute une nation à. La djila, et à la babou. Et par accident, il est venu. Mais, cher Ivoirien, cher Africain, bon, je vais parler des Ivoiriens parce que. Cher Ivoirien, il fallait que Dieu nous montre ça. Pourquoi on voit clair dedans. Et Dieu, même si on a vu clair dedans. C'est Babou qui a décrété. Chers Africains, vous les Guinéens, Maliens, Burkinabés, qui suivez Babo obligatoirement parce qu'il périt les gens. Mais posez-le la question, il a fait quoi? Rien du tout. Parce que toi, il te fait rire, toi, tu le suis. Mais toi, tu es malade, tu es bête, tu es perdu. Et ta famille doit regretter. Je parle de tous ceux qui suivent obligatoirement ce via toxique, mauvais souvenir de la Côte d'Ivoire. Qui s'appelle son excellence, M. Laurent Gbagbo, président des malais des Ivoiriens, à son temps. Tout le monde était poissé dans le temps de Gbagbo. Dans le temps du président de la République, il ne force pas. Il ne vient pas devant l'écran pour venir bavarder. Tellement il n'a pas le temps, il y a vice-président qui s'occupe de rôle. Il y a premier ministre qui travaille. Et lui, il n'a pas le temps. Ce n'est pas un pouzo là. Gbagbo, tu es détesté, c'est toi. Dans ton propre village, ou à l'aise ton marché là, c'est Tchengman qui est ici. C'est quand on partait couper pour venir vers Boumou là, Tchengman, les feuilles de palme, marché là c'est comme ça. Dieu fait le soir à qui tu n'as pas volé l'argent, tu n'es pas un braqueur, tu n'es pas un voleur. C'est pas si Facebook procès là tu as venu faire. Il faut aller à la justice, tu as le dire ça là-bas. Tu nous dis pourquoi? Et c'est ce nom t'as dit que tu as volé? C'est nous qui t'a condamné. Est-ce que nous t'a demandé quelque chose? Là où les vrais garçons t'appellent, il faut aller faire ton brouhaha là-bas. Là. Ça ne nous intéresse pas, nous les Ivoiriens. Nous, on n'a plus le temps. On passe à l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Parce que vous avez détruit pour nous. Maintenant, tu es perdu, tu es lâche. Tu es dans une prison à ciel ouvert. Ça te dérange. Tu veux que le président te touche, il te parle. Pour que tu deviennes martyr, non. Le président n'a rien à foutre avec toi. Lui, il parle des milliards, plus de milliards.
Babou. Tout Côte d'Ivoire est chanté, Goudron partout. Madou Goudron, à partir d'aujourd'hui, Madou Goudron, que le corps vous avez donné, c'est vrai. C'est Dieu qui était dedans. Et Dieu vous a inspiré, et vous avez dit Madou Goudron. Et Dieu a accompagné avec la baraka. Non, papa, là, il est universel avec le monde. C'est pourquoi il a beaucoup de noms. Mais pas le nom que vous pensez. Parce que vous le disiez avec la mauvaise foi. Appréciez ça. C'est Papa Ado qui fait le son. Papa Ado, faut qu'on dise la vérité. Tiens, nous, on voyait, mais ça aussi, on n'avait jamais vu. Ouais. Ça là, wallahi billahi, tu te frottes, tu te piques. C'est pas parce que j'aime Papa Ado. Mais je l'aime. Tellement je l'aime, je ne sais pas, il n'y a pas de limite. Mais faut qu'on se dise la vérité, quoi. Tu te frottes, tu te piques. Tu lis les suites. Tu le parles mal, tu le déniques, il ne te répond pas, il ne te regarde pas, il te protège, et il te nourrit, il te blanchit. C'est Dieu qui va parler à sa place. C'est Dieu qui a dit, c'est pas nous, on a dit, oh, faut pardonner. Sinon, si Papa Ado dit aujourd'hui, quand il voit les va renverser ça, voilà, et puis les désirs, il dit ça, c'est pour. Mais il va le faire pour quoi? Pour quel intérêt? Pour laisser quoi? Voilà les intérêts. Voilà ce qu'on fréquente. Dieu merci. Nous les chauffeurs, nous on est fiers. Papa Ado, il était nos collègues, il a roulé taxi aux États-Unis. Babo, toi tu n'as rien fait, tu voulais l'outil à Guéwa. Tu as volé. Depuis tu voles l'outil, tu voles. Et tu es venu voler l'argent d'Afrique par la quête de PCAO. Tu es un pata, pas Mumba, Tolopa, c'est une colonie. Tu as blagué les gens. Les douleurs, c'est pas bon. Les douleurs sont pas bons. Femme douleur, là, tu ne peux pas le laisser. On l'est serré. Ah! Tout le monde connaît. Au nom, là, c'est là. Et que la réponse est là, je vais parler ça. Hein. Mm-hmm. Parce que si elle dit le nom, mm-hmm. nous sommes tous des Ivoiriens. Mm-hmm. Eh, tiens, mais il y a des bonnes choses au nom. En un moment, pourquoi on se dit la vérité? Maman, vous allez me donner femme douleur aussi. C'est là-bas qui peut te maîtriser. Vous devez me donner ma part. Hein? Hein? Non, bon. Ce qui est sûr. Et que la réponse est là, quoi. Mm-hmm. Ce que tu as dit là. Mm-hmm. Moi, je veux faire une prière. Je veux que Dieu existe. Dieu. Amin. Mais je n'ai pas l'argent de deuxième femme d'air. Ça là aussi, il faut que je te dise. Si vous non, allez non, vous occuper de moi. Moi-même, je veux que Papa Ado n'a pas été. Bon. Il y a un jeune qui parle là. Il faut prendre des nids là. Mettez mesure d'accompagnement dessus. Hein. Je n'ai pas l'argent. Non. Regardez. Tu maries la fille du président, la nièce du président. Oui, c'est ça. Faut pas faire bon, ils vont me bloquer à l'aéroport. Dans la Suisse, ils ont fait ça. J'ai dit, c'est péta, on va prendre pour aller comme péta. voilà, Nyeba, il est écrit, il est hypocrite. Très frustré. Parce que c'est une insulté publique. C'est un enfant qui n'a pas été éduqué, il n'a pas d'amour en lui. Et après la fois que Thierry Bekoumane voilà, quand il parle tout, Adamade, wallahi bilay, ni, si tu manques d'amour, c'est pas bon. Il faut être bien accompagné. Ni Mohamed, quelqu'un qu'on le connaît, pas, depuis on le connaît, on sait que c'est menté. Mais lui-même, il ne sait pas qu'il est menté. Dans son mensonge, là, il y a malédiction qui est venue s'ajouter dessus. Mm-hmm. Il est venu, il insulte sa maman, lui-même. Il a filé ça, il l'a nettoyé pour les mamans. Ça, c'est pas bon. C'est réseau ici. Ça, c'est pas bon. Ça réfléchit. Il n'y a pas à faire. Il a insulté sa propre maman. Il n'y a pas à faire. Ou il a insulté les mamans. Oui. Mm-hmm. Quand sa maman est sorcière, lui, son problème, c'est sa maman. Il n'y a pas à faire. Il a fait directement. Moi, j'ai écouté. Mais directement, il cherche là, il ne voit pas. Mais sa maman vit à location dans leur village là-bas. J'ai cherché fatigué. Sa maman vit en location dans leur village. À Yokoboué. Oh, t'as vu? Mm-hmm. Mais est-ce que si tu veux venir parler de la politique, venir parler du programme du président de la République, venir sauver les Africains,
est-ce que ta vie là, nous on a quoi à foutre avec ça? On n'a rien à foutre. Ce qui nous doit nous réunir là, c'est de passer bien pour nos pays. Et sauver nos parents, point bas. Non seulement il est venu, bon, éclairage, c'est pour qu'on se dise la vérité. Hein. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment le président. Mm-hmm. Sans limite. Ouais, moi-même, je répète moins. Mais tous ceux qui viennent parler, ah, président, il est bien, il a fait bon, ils ne calculent plus. Mm-hmm. C'est là-bas, ils sont bercés. C'est le défaut des militants du RHDP. T'as vu? Mm-hmm. Voilà, les militants du RHDP. Mais nous, les militants de RDN, nous, on ne pense pas comme on ça. On ne peut pas nous tromper. Oh. Parce que nous, on sait d'où on vient. On ne peut pas nous tromper. Parce qu'on nous a trop manipulés. Quand tu manipules quelqu'un, lui-même, il s'assoit, il commence à réfléchir, demander, poser des questions. Il va devenir intelligent. Voilà, mais il va devenir intelligent. Mm-hmm. Et l'homme politique, un président. Président a un seul valet. Président a beaucoup de valets. Mais le plus important, là, c'est de s'occuper de sa population et de s'occuper de son pays. Il y en a. Pour faire ça, le reste, ça va suivre. Le président n'a pas menti à quelqu'un. Il n'a pas blagué quelqu'un. Je sais pas, vous avez vu, non? L'ouverture des 5e pont. Quand le président a tiré le truc, le président dit, ah, ce pont, ça vaut plusieurs mandat. Chers Africains, vous croyez que le président ne sait pas ce qu'il dit? C'est quoi on doit tirer dans ce qu'il a dit là? Pour nous, c'est un petit mot. Il a dit mandat. Mais quelle leçon nous on doit trouver? Le président a parlé pour tous les Ivoiriens, pour tous ceux qui veulent l'avancement d'Afrique, son pays. Donc, c'est par rapport, on va se tromper. Wallah Bilay Nyeba est sorti. Sa sortie qu'il a fait là. Ouais, c'était un coup préparé. C'est parce que c'est le vent qui est venu prendre sa partie. C'était bien ciblé, bien préparé. Et ils ont communiqué dessus. Nyeba Isaac, Prichéry Balé, Hervé Djédié. Tous les souris sont sortis partout avec la sortie de Charles de Ségou. J'ai dit, c'était bien coordonné. Mais ça fait mal à Nyeba parce que ça n'a pas marché. Mais Nyeba, quand il sort pour dire qu'il y a un coup qui a foiré, ça t'a raté. Mais quoi, il faut pour que ça t'aille. C'est ça. Nyeba, tu pourrais être lâche. Et ton hypocrisie que tu as fait hier, en demandant parole, hey, tu es venu insulter les Ivoiriens. Et après, tu dis qu'il y a la guerre en Afrique, la guerre n'a qu'à être détruite. Mais le courage que tu n'as pas parlé de Côte d'Ivoire. Mais nous tous, on sait que c'est de la Côte d'Ivoire que tu parles. Sinon, au Mali, ça ne va pas. Burkina, ça ne va pas. Niger, ça ne va pas. Au Guinée, ça ne va pas. Mais Nyeba, nous, on va te dire tous les Mao qui ont fait les directs. Pour ta sortie là, ils t'ont dit que tu oublies que ta maman, elle vit là-bas. Tes frères vivent là-bas. Mais toi, tu as dit ta position avec ta famille, nous on connaît. Tu as dit que tu t'en fous de ta maman. Ta maman, elle est sortie. Toi-même là, depuis que tu es venu là, tu dis tu fais don aux gens, tu donnes l'argent aux gens. Quand tu donnes l'argent à un imam, ou bien pour payer ça, tu sors si direct, tu dis, est-ce que tu donnes l'argent à tes parents même? L'homme qui suit sa maman, ou dit que son problème c'est sa maman, va donner l'argent à ta maman. Mais moi, je vais te dire, Nyeba, ce que tu fais là, c'est zéro. Tu n'as pas les bénéfices, tu n'as pas l'intérêt. Et tu ne vas rien gagner comme bénédiction. Moi, je vais te dire en clair. Parce que ta mère vit. Tu t'en fous d'elle. Tu l'attends de sorcier et tu fais miracle au dehors. Tu es maudit. Ça, c'est signe de maudit. Nyeba, tu es un vrai lâche. Tu es un courrier et tu connais rien du tout et tu es bête. Voilà, il a la gâteau, d'un pas, naloma. Mais pour voir ça là, tu vas voir ça et tes yeux.
tu vas te taire. Parce qu'on te connaît, tu es ridicule, tu es nul à chier. Éclairé te dit encore, si tu es garçon, il dit il a balé. Il ne s'est pas caché pour balayer. On parle devant des milliers de personnes. Et moi aussi, j'ai balé. Et direct là, je t'ai envoyé encore. Tu ne m'as pas me dit. Parce que la dernière fois, il t'a envoyé, tu m'as insulté. Là, tu m'as insulté. Mais ça a glissé sur mon corps. Et ça m'a montré tes limites. Moi, j'ai pris Dieu que tous nos parents, si on met nos enfants à l'école, exemple n'y pas que Dieu nous éloigne de ça. Mais toute l'Afrique est fière de Papa Ado. Oui, il faut être sorcier, hypocrite et jaloux et accompagnateur de Guillaume Soro pour ne pas apprécier. Mais vous, l'État va nous donner raison et vous êtes désavoué. Nyeba, tu dis, il y a un coup qui a échoué. Et Claire te dit, mais il y a eu quoi après? On t'entend. Bande de lâches que tu es. Vaut rien. Père de sa génération. Tu es jaloux. Mamadou Touré, hey, Mamadou Touré. Que Dieu te bénisse. Hey, que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la force que tu puisses poursuivre tous les projets que le président a accompagné. Que Dieu met la réussite dedans. Vraiment, tu es un jeune. Hey, soit il faut te baisse comme ça. Et puis ça le colle. Ça le plaque comme ça. Et choco. Mais quand il n'y a pas de porte baisse là, c'est. Et puis, Kamaboro, au pays là-bas, là, les sacs de maïs là, tout voilà, on exporte ici, on fait baisse avec ça. Généralement, c'est ça, il porte. Il est bête. Et puis quand il s'assoit, hey, je vais sécuriser mon ventre. Hey, tu manges quoi? Et là, tu lèves. Tu as couronné du coco. Bobo Douma, Sopis, Kono, Abébila. Mais c'est là, il te demande, est-ce que tu fonctionnes? Ouais, Atote ici. Bande. Tu es chien. Il y a grand frère d'Atote, Frana Atote. Le président n'a rien à. Il y a Frana Atote. Ça, c'est grand vrai, frère. Puis, on va mélanger les deux pour lui remettre. Mais si on le donne là, c'est comme si on avait 0. Il va faire. Atote, il n'y en a pas. Non, il y a les ânes qui sont encore vivants au Mali là. On va, comme il est ami des Maliens là, on va l'envoyer sur les ânes au Mali là-bas. Là. C'est vrai, non, et puis lui-même, ça marque la même là. C'est vrai, hein? Tu dois être chauffeur de l'âne au Mali avec tes diplômes. Assimi Kouyaté peut te donner une poste. Je ne sais qui sont diplômés. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont diplômés. Ceux qui ont la charge pour le moment, ils sont au pays. Leurs compétences, on voit. Je viens de te parler de Mamadou Touré. Je te parle de AMS. Je te parle de l'ASPR. Tu dis que tu étais brillant que tout cela. Nyango. Si, ça peut être possible. Tu peux être brillant que tout cela. Mais tellement ton fond intérieur est noir, Dieu dit, n'aime pas ça. Tu es toujours coulé. Tu es toujours à l'école. 54 ans. C'est nous, on va te confier notre dessin. Et puis, c'est toi qui vas nous informer. Eh, Mamadou Touré. Eh, Karim Ouattara. Les gens, quand il va voir, c'est toi pas. Il est en bon contre le président. Il est en crio. Ado est comme ça. Ado est comme ça. Il voulait poste. Toi, là, on t'a nommé chef de gare. Non, quel chef de gare? Tu ne peux pas. Parce que tu parles trop. Puis tout ce que tu dis, c'est faux. Tu n'es pas crédible. Ta crédibilité en face des Ivoiriens, tu l'as perdue. Mais ça, il fallait faire très attention à ce côté. Parce que les Ivoiriens t'ont trop pardonné et ils ont trop accepté tes caprices. Bande de vauriens, voyous, lâches. Et puis, Éclair, tu as dit quelque chose ce soir-là. Il y a un vieux père qui m'a dit ça il y a un peu longtemps. Mm-hmm. Il dit, et à l'état, ils étaient à une réunion où ils ont frappé, mais l'un de la personne, bon, c'est aujourd'hui, il a entendu le nom, sinon j'ai entendu l'histoire là, il y a un peu longtemps, quoi. Il dit, il est sorti par la fenêtre. Moi, mais j'ai dit, gros bête là, et sa tête là, il est sorti par la fenêtre. Après, quand il m'a expliqué, quand il est regardé, il dit, oui, lui là, il va glisser même la fenêtre là, il va même pas toucher les fenêtres. Un gros péreux. C'est un péreux. Lui là. Si tu n'es pas péré, on t'a invité. Tu sais comment faut communiquer ici. Éclairé t'a dit. Sinon, on parle là, tu vas dire. On t'attaque parce que tu ne viens pas de nous. Nous, on va s'éteindre. Ça, frère. C'est toi-même qui nous a dit que Éclairé, c'est ton cousin. Si ton cousin sort pour te parler comme ça, il faut te dire que c'est grave. Et tu devrais parler, mais tu ne peux pas parler.
Parce que si tu parles, ami, qu'est-ce que vous dites? Bande de bourrés éclairés. Je ne sais pas. Bon, je vais m'arrêter là d'abord. Je vous donne tout la parole. Et c'est à l'écoute. Merci beaucoup. On est déjà vers la fin. Et je dis merci à tous ceux qui ont été là. Et nous disons infiniment merci à tous les élèves de la classe qui ont pris la parole aujourd'hui. Ça a été un énorme plaisir. Et j'ai dit à tous les parents, évitez d'avoir des enfants comme Nyeba. Parce que quand on met un enfant au monde, pour s'occuper de lui, c'est un gros problème. Pour envoyer l'enfant à l'école pour qu'il devienne quelqu'un, c'est encore un gros problème. Mais quand l'enfant vient dire que lui, là, c'est vous qui devez lui, et les diplômes, là, d'aller chercher encore travail pour lui, ça devient un autre problème. Il faudrait que vous éduquiez vos enfants à être indépendants dans la vie, à ne pas commencer leur temps de jeunesse. En s'abonnant à la malhonnêteté, comme ce fut la vie du tristement célèbre Isaac Nyesan Nyeba, celui-là même qui a une vie cousue en tissu et en fil de mensonges. Et l'individu, il a tellement fréquenté toutes les prestigieuses institutions académiques du monde, mais n'a pas pu trouver un travail avec ses diplômes-là. Ça, c'est un premier signe de la malédiction suprême. En Occident, là, tous ceux qui ont véritablement fréquenté des institutions là, quand tu es dans ton master ou bien tu es en train de faire un doctorat là, si tu es vraiment bon là, avant même que tu ne finisses là, c'est les bourses qui tombent sur toi pour te prendre déjà. Avant que tu ne finisses, tu gagnes un sponsor. Toi, tu n'as pas eu sponsor, mais tu as eu ton diplôme. Et c'est carton, tu es allé pour être dépoussiéreur de carton. Ça veut dire quand on met les cartons à terre là, lui il prend et puis il enlève la poussière dessus. Et puis maintenant, les gens placent et puis ils font avec ça. C'est que ton existence aura été vraiment au rabais. Mais tu vois comment tu as fini. Quand tu piétines toi-même ta propre existence en voulant les raccourcir, en voulant toujours soutirer quelque chose aux uns aux autres, c'est comme ça que tu finis Nyeba. Cette histoire d'Alassane Ouattara, là, si tu es vraiment digne, c'est pas ta première fois de dire que tu ne vas plus parler, tu ne seras plus avec Ouattara. Il y en a des tonnes de vidéos de toi qui disent ça. Mais cette fois-ci, là, si tu es vraiment un être digne, si tu n'es pas un indigne patenté et assermenté, là, cette histoire de Ouattara, ou mais je supporte Ouattara, ou mais je ne supporte pas Ouattara, là, il faut être le pire ennemi de Ouattara, et puis on va voir ce que tu peux faire. Et puis nous, on est là pour te montrer ce qu'on va te montrer aussi. Il faut t'accorder à toi-même un peu de répit. Sois digne. Va négocier et continue ton deal avec Soroguion. Continue à dénigrer Alassane Ouattara. Mais nous autres, on ne va pas dénigrer parce que c'est un homme public. Nous là, quelqu'un ne nous a pas forcé à aimer Ouattara. De cette même manière là. Moi-même, tu peux m'insulter 1000 fois là. Je m'en tape. Mais tu viens insulter mon icône comme si rien ne va se passer. Je me demande si c'est comme ça que tes parents t'ont éduqué. Et je me demande quelle éducation tu donnes à tes enfants si tu en as véritablement. Voilà autant de questions qu'on pourrait te poser. Et donc, Cyclone, c'est ce que j'allais ajouter aujourd'hui. Et je ne vois plus de réaction en termes de participants. Je crois qu'on va aller vers la conclusion. Et on va te donner la parole pour pouvoir finaliser. Et donc, j'ai dit déjà pour ma part, merci à tous ceux et toutes celles qui ont pris la parole. Tous ceux qui sont restés avec nous et qui ont animé le direct du jour. Pour nous, cher Nyeba, ce n'était qu'un préambule, ce n'est qu'un début. Si tu veux qu'on prenne ta vie et qu'on vienne casser ça comme balle, et puis on va sélectionner ce qui est bon et ce qui est mauvais pour mettre en tare, il faut compter sur nous. Tu n'as pas dit que c'est toi, tes amis qui sont les gens du renseignement. Ce jour-là, on va te faire comprendre que tu as laissé des traces que toi-même tu ne soupçonnes pas. On va mettre tout dehors et on va mettre ça au grand jour. Et c'est moi, éclaireur Provité, qui te dit ça. Si tu n'es pas sûr là, il faut dire seulement tu vas voir ce qui va sortir de ta vie. Ton affabulation, tes fantasmagories là. On va tout mettre à nu devant le monde et puis on va voir de quoi il est question. Parce que trop, c'en est de trop. Si toi-même, tu ne veux pas te respecter là, tu seras obligé de respecter les hommes dignes comme le président Ouattara et les hommes qui ont du respect pour leur propre personne. Et nous, on va t'enseigner ça. Vieil homme inconscient, sans projet de vie. J'ai ça. Bon, tu as ça là, tu as fait quoi avec ça? C'est que c'est faux. Tu n'as rien. Donc le cyclone, vous avez la conclusion finale. Et puis on va arrêter le direct du jour ici.
Ok, éclairé, merci beaucoup. Je dis merci à tous les Mao, merci à tous les Chao. Mais faites amis pour Kakuma Datou. Quand on va se regarder, il vous dit merci à tous les intervenants. Il y a un critoire là. Il y a un jantoire là. Il y a un jantoire en deux là. Il y a un deux en Tili Katara. C'est bien, sera fait. Président Kakuma Dofo Lounao. À un discours de la mort, au discours de la Rome, c'est qu'est-ce qu'il y a vu. À quoi même lui-même, président, lui, il a besoin d'argent. Vous croyez que c'est faux? C'est vrai. À quoi tiens-le faux? En gros, on a dit, Wardou, il y a eu de Goula. Wardou, il y a eu de Mohamed Koulou, il y a eu de Goula. Mais Facebook avait mon homme au Yéla, pas pour le voir, mais ça, il y a vu, mais quand on roule là, mais t'es irréfléchi. T'es irréfléchi, quoi, quand on roule là. Parce que Facebook va en démission, ou à pas en tromper là. Éclairé, pas pour la Yéla, l'ombé. Abe, nous, on est là, au B, et ça nous est direct, ou à donner valise, ou bon les tout. On est maquillé. Ah non, il va falloir bébé une bro. Mais ni ka yere yere yere. Eh, c'est bon. Eh, Abidjan, non. Abe mo chama bilo flé, l'obé pri la bilo la. Ni ko yere yere yere. Bila ibe masé a segi alama. Ala ambela jendu sutra la. Sutra brifani, ala abili aya jabana kuna. Ala leka, président dama, tumana, tumami, wallahi ambe nyabala de. Tu as roulé notre maman, tu as le président Flé. A te la demi, il voit encore. A te demi, à pas protéger la calaca. A capara mikara, à vous les iralana. A ta, vous m'avez trouvé un yap, bala, sec sec. A ma dit qu'à faible ou mento, entre la anale la mou paye, métro, un de la ou m'a mais il y a un président qui a parlé de la barre. Il y a un président qui a parlé de la barre. Il y a un président qui a parlé de la barre. Il y a un président qui a parlé de la barre. Il y a un président qui a parlé de la barre. Il y a un président qui a parlé de la barre. Il y a un président qui a parlé de la barre. Il y a un président qui a parlé de la barre. Jamana be sa alela. Président Manguna a nema be jigila beka. Parce que anya dema yon ni la kanda nino. Alibi. Kote voa population na jama be. Ananu upe ane farafina ka asuma. Ka dofara kote voa asuma ka. Ala oke. Masa Manguna shi kene ya deraja de la ravia korota. Ka dama ala moke la. Ivore nde be la jeni. Quand le président Romana, eh, président, tu es un bon sang de l'air, tu es un tour de blanc. Tu as un hôpital loyalty. Mais il y a un jatoir là, il y a un démission. Il y a un coquetin. Un terreau. Un terreau. Eh, tu es un man ouré. Adoutin en ouré. Il faut un yuri qui a l'eau en l'autre. Il faut être arrangé ça, il faut être arrangé ça. Il faut être arrangé ça. Il faut être arrangé ça. Il faut être en wati, à B600, en a profité. À Kakoué en Ouli. Aïe Mangatilao, aïe Yokutui. Aïe Herekanou, aïe Djamanaï. Aïe Herekanou, aïe Djamanaï. Donc éclairé, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous faites tous les jours. Ainsi qu'à tous les Mao de la plateforme. Moi, je suis fier de tout le monde. C'est la plateforme de tout le monde. Même il faire la dofo Nibaba, aïe Bokalou Kaya Blakana. Ah, dia. Aïe, il y a un ma belle à éclairer. Aïe, ta foyer. Parce que, pas de djoulou, pas de djoulou. Mon nom est à djoulou. Dans mes pitales, on lui a dit salam alaykoum, Ramatoula. Que Dieu nous protège. Que Dieu protège toutes nos actions ainsi que toutes nos familles. Que Dieu pardonne tous nos défunts. Qu'il repose en paix. Et que Dieu nous donne la santé, la longévité, surtout la richesse. Merci beaucoup le cyclone, merci pour le temps que vous prenez et que vous investissez dans cette activité.
pour essayer d'éclairer les uns les autres. Ce n'est pas toujours facile, mais on doit être reconnaissant pour tous les efforts que vous faites. Nous disons merci à tous ceux qui ont mis le cœur, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui continuent même de mettre les commentaires. Nous sommes là pour la cause de la vérité. C'est ce qui nous unit et ceux qui s'unissent au nom de Dieu sont des dieux. Et c'est toujours au nom de cette vérité-là que nous informons toujours sur la base de la bonne foi. Le problème de Evgeny Prigogine, même BBC Afrique confirme l'hypothèse qu'il serait mort. Mais connaissant les méthodes russes, comme je l'ai dit au début, vérifions correctement. Parce que nous savons que Prigogine avait deux sosies, mais l'une des possibilités pourrait être qu'ils aient fait de la chirurgie faciale pour le faire disparaître dans la nature. Et ce que nous souhaitons, c'est aussi sa mort. Mais la mort de Poutine aurait été encore la meilleure. Mais toujours est-il que quand entre deux malfaiteurs, l'un neutralise l'autre, c'est déjà un bon pas. Et donc nous lui souhaitons vraiment cette mort crapuleuse, si c'est le cas. Nous privilégions cette hypothèse-là en termes de souhait. Et donc, mais soyons prudents pour ne pas tomber dans l'émotion. C'est vraiment très important. Et il y a notre mère Adjara Koulibaly qui nous avait laissé un message. On va tous écouter ce message. Ça sera le message de la fin. Je vous dis merci et excellente soirée à chacun et à chacune. Bonjour mon maître. Bonjour à tous les EPV de Côte d'Ivoire et du monde. Je voudrais m'adresser à ce ténégumène appelé Nyeba Isaac. Nyeba Isaac, il est perdu. Il est perdu, comme diraient nos enfants, perdu comme vinaigre dans salade. Il est vraiment perdu et ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Un homme, d'après lui, un intellectuel qui a ce comportement de caméléon. Aujourd'hui, il se dit ça. Demain, il dit autre chose. Il n'a aucune parole. Il n'a pas d'honneur. Il n'a pas de patriotisme en lui. Il est prêt à dénigrer sa propre patrie pour les autres. Il fait croire aux gens qu'il a l'argent, qu'il a des diplômes, qu'il a ceci, qu'il a cela. À quoi servent tes diplômes si tu n'arrives même pas à travailler quelque part? Si tu n'arrives même pas à aider ta patrie? Mais ceux qui vont en Europe, qui ont les diplômes, là, monsieur Nyeba, ils viennent au pays pour venir montrer à la nation qu'ils aiment la nation. Mais toi, tes diplômes, là, c'est sur Facebook. Tu as eu tes diplômes pour faire vidéo sur Facebook, matin, soir. Moi, ce monsieur-là, il m'a déçu. Il m'a vraiment déçu. Et depuis le jour où il a dit qu'il a vu ce roi Guillaume en Suisse, j'ai compris que ce monsieur était trempé jusqu'aux os dans quelque chose de sale. Mais, monsieur Nyeba, tu vas nous trouver sur la route. Tu vas trouver les Ivoiriens qui aiment leur pays. Tu vas les trouver sur la route. Parce qu'on ne va pas te laisser. On ne va pas te laisser prospérer dans ton sale boulot que tu t'es donné deux jours. Si tu allais prendre de l'argent avec des gens et que tu dois, coûte que coûte, saluer la Côte d'Ivoire, saluer le président, on ne va jamais te pardonner ça. Tu peux faire tout, mais ne touche pas notre président. Venir t'asseoir pour insulter le président, pour lui dire du n'importe quoi, et puis revenir te dédier pour dire que tu es en train de demander pardon au président. On ne peut pas te pardonner ça. On ne va jamais te pardonner ça. Ce que tu as dit, où tu parlais de son gouvernement, de quoi là même, il a dit un mot là. Je ne sais plus. Comment toi, un intellectuel, tu peux faire des choses comme ça? Tu peux venir t'asseoir pour raconter des âneries comme ça sur le méta. Pourquoi? Et tu te disais que tu aimais le président. Oh, c'était faux. C'était faux. Tu as mis de la farine dans nos yeux. Mais Dieu merci. Dieu merci.
Dieu qui est bon, là, il a permis qu'on te connaisse, qu'on apprenne à savoir que tu n'es pas bon, tu n'as pas un bon fond. Mais tu vas avoir ce que tu as tenté de faire là. Tu auras le mérite à la fin de la journée. Il faut continuer. Tous ceux qui ont emprunté ce chemin-là, on n'a même pas besoin de te faire un dessin. Tu connais déjà leur fin. Mais plus jamais, tu vas prendre ta sale bouche là encore pour insulter le président de la République. Plus jamais. Il n'est pas comme toi. C'est un homme propre, sain. Il n'est pas comme toi. Voilà. Il faut rester dans ton Canada. J'espère qu'ils vont t'enterrer là-bas. Comme toi-même, tu dis que tu n'es pas ivoirien, tu t'en fous, tu n'as rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Donc, tu enlèves ta sale bouche aussi dans les histoires de la Côte d'Ivoire. Ça vaut mieux pour toi comme ça. Merci beaucoup, Manicouère. Merci à toute la classe. Et que tout le monde puisse parler sur ce monsieur-là pour qu'il nous laisse en paix. De toute façon, nous, on a besoin de paix ici. Merci beaucoup. Nyeba, ta grosse tête de chien errant, là. Tu as entendu, non, ce que la maman a dit. Que ton diplôme, là, qui est plus grand que Bac plus 100, là, que ce diplôme-là, tu prends pour venir faire Facebook la nuit, et puis matin. Eh, frère, pour toi, est gâté à longtemps. Mais c'est la voie que tu as choisie, la voie de la honte. Regarde tes vidéos, c'est 20 personnes. Souvent, il y a des gens qui vont là, c'est une vue. Quand ils vont là, ils ont peur. Ils courent pour quitter. Ils disent ça là, peut-être que c'est cimetière. Mais, chemin que tu as emprunté là, même Bob Lee va dire que lui, son funérail là, il y avait plus de personnes que pour toi. Même Bob Lee là, lui va dire vraiment, moi-même là, même là, tu es en train d'aller vers ton tombeau, Nyeba. Il faut bien m'écouter, hein. Tu es en train d'aller directement dans ton tombeau. Si tu veux écouter et entendre ce que je t'ai dit là, tu es en train d'aller droit dans ton tombeau. Tu as commencé, on ne va pas te demander de reculer. Celui chez qui tu as pris l'argent là, le pardon que tu as fait là, ça ne va pas suffire. Tu vas payer ce que tu as pris avec lui, avec ta vie. Tu es dans ça. Ton pardon à la con là ne suffira pas. Mais tu vas comprendre et tu vas sentir ça dans ton corps. Tu voulais manger à la table du diable, non? Le diable va se charger de toi. Nous, on arrête notre direct ici aujourd'hui. Nous disons merci à tous. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Et demain, nous nous retrouvons. Merci à chacun et excellente nuit.